Belle feinte contre Ward. 10 semaines, 10 buts, 20 tirs, et le but! Ok, Veilleux, belle volonté, coupe par le plaisir, et le but! Et c'est ça, encore une fois, il va de la même feinte, et cette fois-ci, réussit à marquer, Olivier! C'est, tire le but! C'est échappé, dans le gardien, et le but! C'est, quel arrêt! D'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à La Source et la Nache, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission Plein Feu sur les séries éliminatoires, la grande finale qui va être vendredi. Et pour ce faire, là, aujourd'hui, on reçoit deux entraîneurs, là, un de chaque équipe. En l'occurrence, Martin Larivière, l'adjoint du Cool FM de Saint-Georges, qui va être avec nous dans quelques instants, et Bobby Barry, entraîneur-chef de l'Assurantia de Thetford Mines. Dave, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Les séries avancent. On est déjà rendu à la grande finale. J'ai l'impression que ça a passé vite, mais quelle finale. Ben, ça a été une bonne demi-finale. Premièrement, on a enfin eu une vraie série. Là. Je voulais un match. On n'aurait pas eu de match numéro 7, mais au moins, on a eu une série qui s'est rendue au match numéro 6. C'était le fun. J'étais là vendredi à Laval, le match numéro 5. Vraiment, soirée incroyable. Là, pour au moins, les fans de Laval auront eu un beau dernier match local. Laval qui vraiment sont sortis. Pour vrai, la façon dont ils sont sortis vendredi, je suis surpris que Cool FM ait réussi à sortir aussi fort dimanche parce que j'étais comme voir Laval et c'était vraiment, vraiment intense. On l'avait fait les 7-3, là, ça a été 7-3 d'un côté, 7-3 de l'autre quand même. On était revenu Laval aussi avec une grosse victoire. Donc, c'est un peu la résilience, là, d'après moi, qui a fait la revenue. Ouais, ben avec le retour, le retour de Danny Paquette qui a quand même fait sentir, là, c'est quand même un excellent joueur, puis il a réussi à quand même changer l'allure du match. Le Cool FM dimanche, j'ai écouté le match sur TV LNH, là, vraiment le Cool FM qui est sorti très, très fort dimanche. Lui aussi, la foule. Ben, on a eu deux records de foule en fin de semaine. Je voulais en parler justement des foules. Plus de 2600 à Laval vendredi, plus de 2700 à Saint-Georges dimanche. Fait que j'étais allé checker, je me suis dit, c'est la plus grosse foule depuis quand? Parce que depuis le retour du COVID, on n'a définitivement pas vu ça, des foules de cette grandeur-là. Fait que je suis allé regarder la foule de 2700 et plus, je ne sais pas le chiffre exact, là, mais c'est la plus grosse foule depuis le dernier match de la finale en 2019. Il y avait eu 2865 spectateurs à Jonquière pour ce match-là. Si j'avais à gager, d'après moi, on va battre ce chiffre-là en fin de semaine. Deux équipes relativement proches. Les arénas vont être full. Là. C'est sûr que ça va être des salles combes pendant toute la série à 100%. Fait que d'après moi, on va battre ça. Sinon, je suis allé m'amuser à checker aussi c'est quand la dernière fois qu'on a eu plus que 3000 personnes. Je savais que c'était un dernier match d'une finale. C'était la finale de 2018. Match numéro 6, il y avait eu 3114 personnes à Rivière-du-Loup pour ce match-là. C'est le fun aussi, c'est des beaux souvenirs aussi de se rappeler ça, un centre Premier Tech qu'on peut remplir. C'était quand même un gros aréna, centre Premier Tech. Fait, ça prend beaucoup de monde pour le remplir au complet. Fait que, je m'étais amusé un peu à aller regarder ça. Puis aussi, mentionner, parce que quand on voit le nombre de personnes qui regardent les matchs sur TV LNH quand on les regarde. Puis pour vrai, je ne sais pas si dimanche c'était aussi un record parce qu'on était proche du 400 spectateurs. Là, pendant toute la game, on était au-dessus de 390 en live. Fait que ça, c'était. Je savais que j'étais vraiment content de voir ça. C'est le fun de voir quand le produit marche, là, jumelé au 2700 à Saint-Georges. Là.
Sans compter les gens qui avaient un souper chez les beaux-parents et qui ont regardé la game après. Ouais, c'est ça, c'est le nombre de connexions. Ça ne veut pas dire c'est le nombre de personnes qui regardent. Puis en même temps, moi, j'étais chez nous, on était deux. Fait que juste là, c'était pas bon, deux. Je vois Yann Gaudreau qui dit 115 spectateurs pour votre show ce soir. C'est même 130 en ce moment en même temps parce que ça comprend tout. Le Facebook de la Ligue de Sources du Hockey, le Twitter et le YouTube. Là. Donc, on a une bonne foule là, qui s'est déplacée aussi en vue de ce petit podcast. Là. Et notre invité s'est connecté sur son cellulaire. Ça va aller mieux, je pense. Là, je le vois qui lag pas. Que c'est des bonnes nouvelles. Il y a vraiment de l'engouement. Même au podcast, on sent l'engouement de la finale. Fait que, c'est ça. Puis sinon, des autres nouvelles, on va poser la question à Larry, mais il y a quand même un certain Mathieu Roy qui a fait la période d'échauffement dimanche lors du match numéro 6. Donc, on va pouvoir voir s'il va peut-être, s'il est proche d'un retour pour la finale. On le sait, là, il est un peu la semaine depuis le début des séries. Donc, ça, c'est quand même un très, très gros morceau du côté de Saint-Georges. Sinon, il y a quand même eu des grosses nouvelles dans la ligne nord-américaine aujourd'hui. Un changement d'entraîneur à Laval, Pierre Pelletier. Là, qui directeur général. Oui, effectivement. Donc, qui a un peu... en fond, c'était une lettre ouverte qu'il a écrit. Pierre Pelletier, donc l'air ouverte aux fans, principalement, qui indique là, qu'il se retire comme directeur général et entraîneur-chef. Il indique qu'il va travailler très fort pour trouver un remplaçant digne de ce nom à Laval. Puis c'est quand même bien ce qui était écrit dans la lettre au titre des fans à Laval, comme quoi on veut là, du côté des proprios à Laval que Laval puisse avoir une concession de la Ligue nord-américaine pendant de nombreuses années. Et puis que, en même temps, on l'a vu, là, les foules. Là, c'est sûr que Laval, malheureusement, a seulement joué 3 matchs en série, là, mais les foules là, vers la fin de la saison à Laval, ça l'augmentait beaucoup. Puis en série, ça a tout été des 2000 personnes et plus dans les matchs qu'il y a eu. Donc, vraiment, les partisans qui ont répondu présent, puis les partisans qui méritent d'avoir un club dans cette ville-là pour longtemps, je pense qu'ils en ont fait la preuve. Donc, c'est ça dit aussi dans le communiqué, dans le fond, que M. Pelletier voulait assurer la pérennité, là, travailler dans ce sens-là, que maintenant, il n'était plus entraîneur-chef et directeur général. Donc, à suivre, un dossier à suivre, là, cet été. Oui, il y en a d'autres. Il y avait Christian Deschamps qui était en réflexion à Sorel aussi. Ça bouge. Il y a eu une conférence de presse, le bilan de saison aussi des Marquis de Jonquière. Bob Desjardins qui s'est adressé aux médias aujourd'hui. Parler un petit peu de la saison, Dave. Oui, c'est sorti, c'est tout frais, ça. Ça s'est fait là, quelques heures avant le début du podcast. On a eu la chance de regarder ça. Bob Desjardins qui, c'est sûr, outre le résultat de « on aurait voulu se rendre en finale », il a commencé en disant qu'il aurait aimé ça jouer vendredi, mais c'est quand même un bilan très positif de la saison à Jonquière. Il parlait des joueurs qui ont amené dans l'alignement des nouveaux joueurs, surtout avec le draft de l'année passée, qui se sont intégrés, les nouveaux joueurs locaux qui se sont intégrés également, Marc-André Therrien puis Simon-Claude Blackburn notamment, là, qui a nommé. Aussi qu'au niveau des fans, les fans ont répondu présent. Il y a eu beaucoup de... Les foules ont bien été aussi cette année à la Jonquière. Oui, ça a tellement bien été. Puis tu sais, j'ai fait mes petites recherches là, pour aller checker les foules puis tout. C'était quand les plus grosses foules. Puis je me suis dit, on va aller checker à Jonquière et tout. Il y avait... Les foules qu'il y avait cette année à Jonquière, pour vrai, c'était vraiment... il y a toujours des très grosses foules à Jonquière, mais c'était une coche au-dessus cette année. Fait qu'en espérant que ça continue comme ça... Attendez à ce que tu me dises un chiffre, une moyenne, là, mais... J'aurais aimé ça pour leur donner un... Mais en fait, ils sont disponibles, je dirais qu'ils sont disponibles sur le site de la Ligue, mais ouais, sinon, les par partie, malheureusement, on n'a plus accès au... Au box score des parties avant 2018, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais il était quand même très satisfait, puis il a dit qu'il se préparait là, pour le repêchage. On a nommé une date, il faut quand même que la Ligue confirme la date, là, mais ça semble s'enligner vers le 17 juin, selon ce que le Jardin a dit.
Alors, ça reste à confirmer, mais je pense habituellement, c'est toujours la mi-juin, c'est là que ça avait lieu l'année dernière. Donc, je pense qu'on cherche toujours à viser la mi-juin pour que les équipes puissent faire leur job de préparation, puis après ça, faire le draft, puis quand même profiter de leur été le plus possible également, puis pouvoir préparer la saison. Plus le draft se fait tôt, plus c'est facile de préparer la saison suivante. Donc, yes. À suivre, mais c'était un bilan très positif dans l'ensemble du côté de Bob Desjardins. Donc, est-ce que c'était tout pour les nouvelles, Dave? Oui, ben en fait, l'autre grosse nouvelle, on savait déjà la semaine passée que Thetford était en finale, mais l'autre grosse nouvelle, wow, c'est le fait que Saint-Georges sera en finale, va être l'équipe finaliste. Première présence en finale depuis 2011, je pense que ça fait longtemps qu'on l'attendait, celle-là, en Beauce, fait qu'on va pouvoir enchaîner. Je voulais dire quelques salutations avant là, aux gens qui sont dans le chat. Je vois que ça s'anime déjà, là, on parle déjà de... Oui. On va savoir toutes les tactiques des entraîneurs. J'ai vu Dave Hamel, le débat des chefs version LNH. Malheureusement, on ne va pas avoir les deux entraîneurs en même temps. On ne veut pas faire un show de lutte non plus. Mais tu sais, je pourrais faire une petite imitation de show de lutte, si vous voulez. Puis, non? Mais, ouais. Le pire, c'est que si... Tu le fasses ou... T'es-tu capable? Ça prendrait Rick Pocket. Rick Pocket serait bon pour ça. Ouais. Venez, vendredi 28 avril, la bataille Chaudière-Appalaches, le Cool FM contre la Sirancia de Thetford. Elle n'a pas manqué. Bon. Ouais, chaud de lutte. Tu me diras, Eric, c'est pas pire. Mais en même temps, s'il y avait deux, Bobby Barry et Martin Larivière, c'est quand même deux personnes qui se connaissent extrêmement bien. S'il y avait deux coachs à avoir ensemble, puis que la marde pong-pong, guillemets, ça aurait peut-être pu aider ces deux-là. Mais, non, c'est ça. Mais tu sais, en série, on n'a pas reçu de joueurs actifs non plus. Fait que déjà, des entraîneurs se prêtent au jeu, c'est déjà généreux de leur part. Oui, puis je suis quand même très content. Merci à Larry et Boy Barry d'avoir accepté. Parce qu'on l'avait fait l'année passée avec Pierre Pelletier et Boy Barry, justement, ça avait été vraiment le fun comme show. Donc, je suis content qu'on puisse le refaire ce soir. Yes. Donc, salutations dans le chat à Yann Grosdreau qui dit bonsoir tout le monde. Bon show. Pio Jacques, lui, qui dit go, cool, go. Let's go. Danny Charette, elle vous dit, qui dit salut les boys. Il a dit aussi qu'il a envoyé sa lampe au Big Go là, pour pouvoir écouter le show de la soirée. C'est bon, ça. Jean-Paul Veilleux qui dit qui nous salue également. Félix Dallard qui dit salut les boys. Donc, je pense qu'on est prêt. On est prêt à aller avec notre premier invité. Je pense qu'on a hâte de parler un petit peu là, de la saison, des séries, tout ça. Donc, dans une seconde. Salut, Larry, ça va? Salut les boys, ça va vous autres? Yes, donc avec Martin Larivière, adjoint entraîneur du Cool FM de Saint-Georges, qui est avec nous, le hoodie du Cool FM en plus. Alors, on porte fièrement nos couleurs. Puis, t'es-tu remis de tes émotions de dimanche après-midi un petit peu? Ouais. Ben oui, c'est sûr qu'un dimanche, pour les gars de Montréal, le retour n'a pas été super facile. Disons qu'on aurait aimé ça le fêter un petit peu plus tard, mais disons que le lendemain, le travail venait vite. Mais on a eu la chance quand même d'en profiter quand même dans la chambre. Tu sais, on dirait que les époques changent un peu à l'époque. On dirait que c'était comme populaire de fêter juste à la fin quand tu gagnais. Maintenant, c'est comme un peu comme le baseball. On a l'impression là, qu'à chaque série que tu gagnes, c'est le party. Fait que non, on a pris quelques consommations pour le best plaisir. On est remis pour être en forme vendredi. Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a 7 équipes dans la ligue, il y en a juste un qui peut gagner. Je veux dire, il faut que les autres se trouvent des raisons de célébrer aussi. Sinon, c'est plate pour avoir la chance de célébrer nos succès à travers la saison. Absolument. Ça reste que, ça reste qu'on fait beaucoup de voyagements. Certains, en fait, la majorité, que ce soit des gars de Montréal, que ce soit peu importe ce que tu vas jouer. Ça reste que, tu sais, on a beaucoup de voyagements à faire, on concède beaucoup nos familles, ainsi de suite. Fait que quand tu gagnes ne serait-ce qu'une série, ben on en profite. Tu sais, on est toujours des belles gangs qui voyagent ensemble et tout. Fait que, non, on ne perd pas trop d'occasion de fêter ça ensemble. Hein.
Puis, on a, merci de t'avoir prêté au jeu, Larry. On a là, quelques questions pour toi. On va parler de la saison. On va parler des séries un petit peu, des séries qui ont quand même été dans les émotions. Là. On peut dire que le Cool FM a été transporté par l'émotion là, pour gagner ces séries jusqu'ici. Du côté de la saison régulière, peut-être si on se transporte dans la saison, là, dans l'ensemble, es-tu satisfait là, de ta troupe? Oui, absolument. Absolument. Tu sais, nous, dans les dernières années, mais en fait, c'est un petit peu le même principe un petit peu que Pierre Pelletier aujourd'hui dans sa déclaration qui disait qu'il avait pris l'équipe bas de classement il y a peut-être 4-5 ans. Mais tu sais, nous, ça en Beauce, on a fait un genre de petit reset là, il y a 5 ans. Moi, j'arrivais avec Éric Bertrand à l'époque, puis Serge qui a pris la place à Éric Bertrand quelques mois plus tard. On avait perdu vraiment le noyau, on avait perdu beaucoup de joueurs qui avaient quitté, puis on avait fait un gros reset. Puis tu sais, maintenant, le travail se fait beaucoup au repêchage. Je pense que dans les dernières saisons, justement, on a misé beaucoup là-dessus, sur le repêchage, qui devient une denrée de plus en plus, évidemment. Ça prend ça maintenant. T'sais, à une certaine époque, on dit le repêchage, c'est plus ou moins important. Les échanges, peu importe, vont nous ramener une équipe d'aplomb. Mais maintenant, tout passe par le repêchage. Puis, tu sais, on savait que, oui, on a surfé un petit peu dans les dernières saisons, des saisons un petit peu plus difficiles. On a réussi quand même à gagner des rondes de playoffs à chaque année quand même, là, malgré un nouveau noyau qui s'installait. Donc, oui, on commençait de plus en plus à avoir des attentes. Puis ça reste que la Ligue nord-américaine, on ne sera pas de cachette. Là, c'est pas nécessairement... Quand même que tu feras un petit reset, on s'entend que tu ne peux pas mettre sur pause un cycle de générationnel. Dans 10 ans, on va revenir. On s'entend qu'année après année, le monde paye le billet et s'attend à toujours avoir une équipe gagnante. Donc, on avait quand même des appréhensions en début de saison qui étaient pas mal plus hautes que les dernières saisons, sur pas de cachette. Puis on est satisfait, oui. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans. Quand tu rôdes autour de 500 en saison régulière, tu sais, les playoffs, c'est tellement une autre affaire. Tu sais, tu es heureux de ton équipe quand tu vas toujours dire gagne la main. T'es content quand tu gagnes la première game du week-end, tu splits l'autre d'après. T'sais, évidemment, on voudrait toujours toutes les gagner, là, mais quand tu rôdes autour de 500 durant une saison régulière dans notre ligue américaine, je pense que on peut dire que tu réussis bien. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire. On a joué un petit peu un autre 500, on a eu une bonne saison. On a racheté quelques éléments aussi qui ont fait en sorte qu'on a connu une bonne saison. Mais tu sais, somme toute. Il y a des éléments de l'année passée aussi que cette année ont connu là, des grosses saisons aussi. Absolument. Je pense que tout ça fait boule de neige aussi. Puis l'année passée, on a eu beaucoup de blessés aussi en fin de saison, en série éliminatoire surtout. On a eu beaucoup de blessés. Donc, tu sais, puis il y a des arrivées aussi surprises qui sont faites en fin de saison. On pourra en parler tantôt aussi. Ben oui. C'est qui ont changé beaucoup la donne de notre équipe, le visage de notre équipe aussi. Là. Donc, non, on a été satisfaits de notre saison. Puis c'est encore plus, là, présentement, avec les séries, disons qu'on ne peut pas être plus satisfaits. Avec un, tu sais, on a parlé des nouveaux arrivants, là, si on peut les appeler comme ça. Ouais. Mais en début de saison, là, si on se rappelle, on se demandait, ben, en tout cas, nous, on se demandait à Saint-Georges qui allait être les défenseurs, parce qu'on avait 7-8 défenseurs là, de signaux. On se disait, on est grillés, tout ça. Finalement, en cours de route, tu sais, il y a eu les blessures, il y a des allées et venues. Finalement, à la fin de la saison, vous avez joué des parties, je pense, à 4 défenseurs. Il y a des avants qui sont allés en arrière. Il y a quand même, avec le jour 1, maintenant, où qu'on est, tu en as parlé, là, à la fin de la saison, il y a un certain attaquant qui s'est ajouté, là, qui est très important pour vous, là, jusqu'ici, en tout cas dans les séries en ce moment. De jour 1 à aujourd'hui, il y a quand même eu une progression pour arriver jusqu'à là. Oui, absolument. Tu sais, puis le portrait change tout le temps là, en cours de route. Là, tu sais, David, aussi, tu as beau dire en début de saison, qu'est-ce qu'on va faire? On est 10 défenseurs, on est 17 avant. Comment que ça va se passer? Méchant casse-tête. Puis ça finit toujours de la même façon qu'après 3-4 semaines, c'est commencé, manque de joueurs. T'es rendu, tu piges enseignant 3, sans 3 jeux en même temps. Là, tu ne sais plus où trouver tes joueurs. Tu sais, puis t'avais un big picture de « il n'en manquera jamais ». On est 10 défenseurs, puis tu sais, ça reste que ça fait des années qu'on est là-dedans, puis c'est toujours pareil. Tu sais, puis je pense que ce qui est difficile aussi, c'est de garder tout le monde heureux. Là. Tu sais, tu ne peux pas toujours traîner justement 10 défenseurs. Tu ne peux pas traîner 4 avant si tu as surplus. Tu sais, veux pas les... Tu sais, dans notre ligue, pour la majorité des organisations, tu joues, tu es payé, tu ne joues pas, tu n'es pas payé. Tu sais, fait
tu sais, d'expliquer à quelqu'un, reste chez vous à maison, tu es mon 7e, 8e, 9e défenseur, tu ne seras pas payé, mais quand j'aurai besoin de toi, j'aimerais ça que tu sois. Tu sais, ça devient quand même difficile. Fait, majoritairement, tu laisses peut-être les gars aller signer en 3A. Puis quand ils vont jouer signer en 3A, je comprends qu'eux s'embarquent à 100% qu'une équipe signer en 3A temps plein. Quand tu dis, ben, lâche ton équipe, venez jouer avec nous. Tu sais, peut-être qu'à l'époque, ça marchait plus, mais la Ligue 103, je pense aussi que c'est amélioré aussi. Je pense que c'est un petit peu moins brique à braque, là, sans manquer de respect, là, que c'était aussi. Fait que quand les gars vont jouer au 103A, ils ne veulent pas abandonner leur équipe pour venir dans une équipe de plus. Tu sais, moi, à mon époque, je l'aurais fait, là, tu sais, pour venir dans la plus gros calibre. J'aurais lâché n'importe quoi pour aller jouer dans la grosse ligue. Maintenant, ça, les générations ont un petit peu changé, donc il y a le sentiment d'appartenance avec le 103A, mais ça reste que c'est un flirt, là, tu sais, dans le sens que tu veux flirter les gars, de les laisser en suspens, c'est de rendre tout le monde heureux. Puis, comme tu dis, durant la saison, une bonne partie de la saison, on avait 7 défenseurs qui voulaient jouer à chaque match. On a réussi à faire une espèce de système d'alternance. Tu sais, puis là, c'est drôle à dire, là, je vais le lancer parce que tu sais, Bobby Barry, j'ai joué longtemps pour Bobby qui est à Thetford pour qui on va jouer. Tu sais, c'est un petit peu son modèle à faire aussi. Je sais pas, vous voyez son line-up, il roule à 10 défenseurs, il n'y a jamais le même staff. Tout le monde est heureux. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu la façon de le faire dans notre ligue, justement. Il y a un système d'alternance, tu réussis à faire entre aux boys, puis tout le monde va être heureux dans tout ça. Tout le monde a son rôle en particulier à tenir dans l'équipe. Fait que si on a réussi à faire boule de neige en 7 défenseurs une bonne partie de l'année, puis je te dirais qu'après Noël, il y a Raphaël Maheu qui nous a quittés parce qu'il a déménagé au Saguenay. Donc, tu sais, ça devenait plus difficile pour lui, le voyagement. Donc, on est tombé 6. Dès là, avec les blessés, l'hécatombe est un peu arrivé. Donc, on a joué une bonne partie de la fin de la saison à 4 défenseurs. Tu sais, puis sincèrement, je leur lève mon chapeau. Tu sais, ça se fait jouer à 5 défenseurs, ça se fait quand même très bien, même. Bon, qui est professionnel, tu peux rouler à 5, mais défenseur aime beaucoup ça parce qu'il touche plus souvent en glace. Mais quand tu tombais là 4 défenseurs, je te dis, mais ce qui me faisait peur, c'est justement en fin de saison de rouler à 4 défenseurs. Je me disais, pour les playoffs, ça va être tough parce que mes défenseurs, mes Bruno Caldoni, Alain Caron, Mathieu Gagnon, les gars ont joué du hockey, ça n'a pas de bon sens. Là, c'était 4 défenseurs quasiment jusqu'à la fin, même que Kevin Cloutier était venu me dépanner à l'attaque, puis il y avait souvent des frais. Joe Ferland était venu nous épauler aussi. Mais tu sais. C'est ça, tu as des plans où le big picture du début de la saison fait que ça change. Mais finalement, tout le monde est arrivé en santé, majoritairement en santé en playoff quand même. Puis on a réussi à bien s'en sortir quand même dans tout ça. Tu me parles un peu de chimie, justement, là, pour. On sent que chez Cool FM, il y a une bonne chimie, ça va bien. Tu nous dis que le système d'alternance a fait que tout le monde a été heureux. Qu'est-ce qu'on fait pour que les joueurs soient heureux là-dedans? Est-ce qu'on. On leur donne des hoodies du Cool FM, des casquettes. Non, mais tu sais, je pense que la communication est importante aussi. Tu sais, c'est quelqu'un, moi et Serge, je pense qu'on est fort là-dessus. Là, on met beaucoup d'heures là-dessus. Puis, sincèrement, je pense que la communication a un rôle principal dans tout ça. Tu sais, c'est un effet de groupe. Hein. Dans notre ligue, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas nécessairement toujours le meilleur club qui va gagner. C'est probablement celui qui a vu le plus qui va gagner au final. Je pense que c'est un petit peu ça le secret. Puis, quand tu réussis à mettre ça dans la tête des boys, que. C'est pour l'équipe que tu vas le faire, que tu viens à chaque fin de semaine en boxe, c'est le fun. Les boys en chambre sont le fun. Fait que je pense que même si la décision ne fait pas toujours ton affaire d'être peut-être pas jouer cette partie-là parce qu'il y a un système d'alternance, peu importe, c'est de faire comprendre que même si tu joues pas cette game-là, tu es aussi important que l'autre, que peu importe dans cet alignement-là. Fait que je pense que tout ça fait boule de neige en sorte qu'on est un groupe là, qui est vraiment uni en boxe actuellement. Puis puisqu'on est dans le sujet des défenseurs, justement, il y en a un qui a fait le warm-up dimanche. Je vais laisser ça vague pour ne pas te mettre dans la barre, mais est-ce qu'il y aurait une chance que peut-être on voit Mathieu Roy jouer en finale? Ouais, je fais pas. Honnêtement, je te dirais pas non. Je te dirais pas oui, je te dirais pas non. Il y a peut-être des chances, effectivement. La raison pourquoi Mathieu était là, parce que oui, ça va quand même beaucoup mieux que ça. Je l'ai vu depuis le début des séries. Tu sais, j'allais à Saint-Georges quand Sorel, je le conseille. Il a tout le temps été là. Il a tout le temps au match. Mathieu a fait partie du tu sais, même s'il n'est pas là depuis presque quoi, 2 mois, je pense. Là, Mathieu est toujours présent à l'aréna avec nous. Il est là avant les matchs, il est là après les matchs, il est dans la chambre après chaque match. Tu sais, puis quand on parlait tantôt d'unité de groupe, là, tu sais, d'être une équipe soudée, là. T'sais, ça fait partie de voir un gars comme Mathieu Roy, là, t'sais, pourrait bien dire je vais créer la Ligue nord-américaine. Moi, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai joué dans les plus gros circuits à travers le monde entier. Puis, t'sais, du jour 1 qui est arrivé l'année passée, on a vu la différence, là, comment ça avait changé notre équipe. Puis encore, quand il était là cette année, toute la différence était là. C'est un grand leader de notre équipe. Puis,
tu sais, la perte a été vraiment lourde là, pour nous. Là. On ne s'en cachera pas. Là, tu parles probablement, possiblement, ton meilleur défenseur. C'est difficile pour une équipe de remonter tout ça. On a réussi à remonter quand même la pente dans tout ça, malgré son absence. Là. Mais pour te dire, la présence de Mathieu Roy est super importante. Puis c'est un petit clin d'œil. Puis personnellement, je Danick Paquette, c'est un ami à moi, là, personnellement. En même temps, c'est un petit clin d'œil. De... Attention à ce que tu vas dire. Là. Non, exactement. C'est juste un petit clin d'œil pour les faire jaser durant la mise. Puis pour la poignée de main, on se disait, comme une petite revanche, je veux pas dans le but. Puis je veux pas. C'est sûr que l'incident qui est arrivé, c'est un peu malheureux. Mais on trouvait que l'occasion était bien placée pour booster la chambre. Puis c'est lui, Mathieu, qui a fait le starting line-up avant le match. Donc, tu sais. Fait que des petites étincelles qu'on a mis de notre côté, puis le moment t'as bien choisi. Un peu tout ce qui se passe dans la saison, là, on s'en sort pour se motiver rendu en série, j'imagine. Oui, absolument. Absolument. Puis Mathieu, c'est une source de motivation. Puis je sais qu'il va être encore là à tous les matchs pour la série finale. Il va nous suivre. S'il ne joue pas, évidemment, s'il joue, tant mieux. S'il ne joue pas, je suis avec nous. Puis ça reste que, juste en présence, là, je vous dis, les boys, là, c'est impressionnant, tu sais. Moi, là, Martin Larivière, là, quand moi je parlais, je sens que oui, j'avais l'écoute, mais Martin Larivière, c'était un petit bout de Junior 3, c'était un petit bout qui a joué dans l'Union américaine, puis que oui, j'étais un guerrier, peu importe, mais quand il y a un gars comme Mathieu Roy qui a joué dans l'Union nationale, c'est un monsieur là, qui parle dans la chambre, puis que les gars l'écoutent, là, c'est, là, sa présence est juste incroyable. Fait que, tu sais, c'est fou, là, la présence de cette personne-là. Fait que quand il est là avec nous, bien, évidemment, tout le monde en grandit, là. Puis parlant de motivation, peut-être une motivation plus personnelle pour toi, tu te retrouves derrière le banc. Je ne sais pas si tu le considères un peu comme un mentor niveau coaching. Bobby Barry, ça va faire quoi de coacher une finale contre celui qui t'a coaché pendant une dizaine d'années? Il n'est pas dans la salle d'attente encore. Là. Ah non, mais c'est personnellement, moi et Bobby, on est de grands amis. Là, on a gardé contact beaucoup et on est de grands amis encore malgré que là, la finale, on risque de ne pas se parler des trois prochaines semaines, puis c'est bien correct de même. Là. Mais ça reste que oui, tu sais, le mot est juste, là, David, comme tu disais, je pense mentor, je pense que le mot est vraiment bien choisi. J'ai gagné deux coupes avec Bobby, puis c'est pas des choses qu'on oublie, là, évidemment, là, c'est des souvenirs qui sont gravés à vie. Tu sais, puis au-delà du Bobby Barry, que oui, j'ai beaucoup de respect pour lui, tu sais, j'ai beaucoup de respect aussi pour la ville de Thetford Mines, là, pour j'ai joué là pendant des années, j'ai grand respect pour tout le monde dans cette organisation-là, mais tu sais, c'est plate à dire, mais là, je suis au bord de la clôture, fait que la coupe, je l'avais à Saint-Georges, là, tu sais, ça fait partie de la game, c'est bien correct, tu sais, puis revenir à Bobby, tu sais, moi, c'est une chose que, tu sais, puis ça a parti il y a des années, puis vous l'entendez souvent, puis je me rappelle avoir été l'initiateur d'un petit peu de ce proverbe-là. T'sais, Bobby en faisait sa ligne nationale, moi j'en fais ma ligne nationale dans la ligne nord-américaine. Puis je pense que ça paraît, le succès de Bobby vient pas de hier. Là. C'est quoi, c'est 5e, 6e finale des 10 dernières années. T'sais, à chaque année, Thetford sont là, puis c'est pas un secret. Bobby, c'est un rassembleur. Il a le don de mettre, je l'ai toujours dit, moi, Bobby a le don de mettre les bons morceaux ensemble. T'sais, il a le don de faire lever plusieurs ingrédients ensemble que le gâteau lève. Puis c'est une de ses grandes qualités. Puis c'est pas pour rien, c'est pas sorcier. Pourquoi il est encore en finale cette saison? Donc, je te dirais mentor, oui, parce que je vois un petit peu le succès d'une équipe dans l'Union américaine de la même façon que lui le voit en groupe soudé, groupe uni. T'sais, puis c'est un petit peu. C'est beaucoup ça qu'on est en boxe. Puis je sais que son groupe de son côté, c'est beaucoup ça aussi. Fait que c'est une culture, je pense, qu'on a tous les deux de notre côté. On a la même vision de la chose. Là. Non, moi, pas bien. Je l'ai rajouté aussi dans les commentaires. Bon commentaire, Mike Vincent, qui lui aussi a été là pendant tout ton séjour à Thetford, mais de ne pas négliger Dan Groslo aussi comme mentor, comme coach. Ah, absolument. Absolument. Puis Dan aussi, c'est encore un bon ami à moi. C'est un gars de Thetford Mines. Puis Dan, il est même là avec Bobby. Donc, ça fait encore plus longtemps qu'il est là. Effectivement, c'est un solide duo, en fait. Là. Je ne veux pas juste dire que le succès va à Bobby, mais je pense que les deux ensemble, c'est l'effet de groupe là, qui fait que le gâteau lève depuis plusieurs années. Malheureusement, ils ne gagneront pas la coupe cette année, mais on s'entend que ça va rien être une coupe. T'en as parlé un petit peu, l'ajout de Francis Paré là, vers la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous parler? Je pense qu'il n'y a jamais personne qui nous a vraiment dit comment que ça s'était passé, là, mais on va en profiter à ce soir. L'arrivée de Francis Paré, qu'est-ce que ça a changé chez Cool FM? C'est quasiment, je te dirais, on dirait que ça me fait penser à la conquête de la team de Tampa Bay il y a deux ans quand Kucherov est arrivé dans les playoffs. Là.
Ça, on dirait que c'est quasiment le même principe, sauf qu'on n'a pas vraiment de plafond, là, nous, dans les. Fait qu'on est correct avec ça. Là. Mais dans les faits, c'est un petit peu ça, cette surprise-là. C'est que Francis, il était. Quand il a terminé au début de l'année, il s'est dirigé en Suisse, puis il est revenu au Québec. Ben, en fait, il a voyagé beaucoup à travers depuis le mois de septembre, quand ça avait plus ou moins fonctionné en Suisse. Puis il est revenu en temps de Noël. Puis nous, c'est sûr que ça a été un travail de longue haleine, là, puis que ce soit les propriétaires, que ce soit des joueurs, on est beaucoup qui ont mis la main à la pâte pour le convaincre là, de venir dans la Ligue nord-américaine. Puis c'est pas toujours évident. On ne sait pas de cachette. Tu as gagné ta vie à jouer au hockey. Puis Francis a bien gagné sa vie à jouer au hockey. Puis lui faire comprendre que pour des centaines de dollars, de venir jouer dans la Ligue nord-américaine, quand que lui, il n'avait jamais vraiment vu une partie de la Ligue nord-américaine. Puis tu as beau entendre quand tu es en Europe, de dire la Ligue a changé. On l'entend depuis des années, la Ligue a changé. Mais ça reste quand même une ligue tough, quand même, tu sais. Puis ça reste qu'au-delà de la toughness, ça reste que c'est tough sur le corps aussi, dans le sens que, tu sais, on sait tout ce que ça prend, là. Les gars travaillent à longueur de journée, ils travaillent des 8 heures, tu sais, on sait tout, là. Tu sais, c'est pas facile, là, de faire ce qu'on fait. Tu sais, puis son arrivée, quand on a réussi à le convaincre, au début, il était plus ou moins sûr, tu sais. Nous, notre but ultime, là, vu que je te disais tantôt, on a un groupe soudé, c'était « viens une fois ». Tu sais, il faut le convaincre à venir une fois. Il va venir une fois, là, puis il ne repartira plus jamais. T'sais, comme de fait, il est venu une fois, il a adoré ça. La deuxième fois, il était moyen, je ne sais pas. On a réinsité, on a insisté que finalement, tu sais, fil en aiguille, il est rendu aussi aujourd'hui. Puis, je ne sais pas si vous avez vu les photos là, quand on a gagné vendredi. Ouais. Lui, il se retrouve à jouer devant sa famille. Sa famille vient pas loin de la. La famille à sa conjointe vient de la, pas loin de la Beauce aussi. Fait que la famille est là, venez le voir. Les petits-enfants viennent le voir. C'est kid. C'est juste de le voir avec sa fille. Tout ça. Puis, tu sais, tu dis, ce gars-là, là, il a gagné la Coupe Gargarine. Là. Devant des 20 000 personnes, il a fait plein d'argent dans sa vie. Puis juste de voir ce moment-là, de faire le tour de la glace avec sa fille, ainsi de suite. Puis ça reste un peu comme Mathieu Roy tantôt, ces gars-là. De les voir venir dans notre ligue, ça n'a rien à gagner. Puis de jouer de cette façon-là, comment tu peux pas vouloir suivre ces gars-là? C'est juste incroyable. Mm-hmm. Si on regarde un peu votre parcours en série éliminatoire contre les Éperviers, ensuite les Pétroliers, quand même des séries émotives, là. Oui, absolument. Puis je te dirais, David, il a suivi tous les matchs parce que c'est réel. Je te dirais là, que c'est une série qu'on a gagnée en 5, mais c'est le genre de série que ça aurait pu être d'un bord ou de l'autre. Je peux pas, ça, sur papier, comme ça, on a l'air d'avoir dominé la série parce qu'on a gagné en 5. Mais je te dirais, je pense que les 4 premiers matchs auraient pu virer d'un côté comme de l'autre. Ça a été une série super enlevante. Puis pour vrai, honnêtement, je pense qu'au-delà des combats, je pense que la série était plus physique contre Sorel qu'elle l'a été contre Laval. Sincèrement, là, ça a été une série qui était après les sifflets, tout ça, il y avait beaucoup ouais, de. C'est ça. Mais ça, je trouve que tous les gars, pour vrai, du côté c'est de Sorel. Sur la ligne. Tous les gars du côté de Sorel, je pense que le mot était très bien passé dans la chambre que tout le monde finissait leur mise en échec. Il n'y avait personne qui le faisait pas. Absolument. Absolument. Puis on l'a remarqué, sincèrement, physiquement, là, ça a été tough, la série contre. Puis sans dire que Laval ne l'était pas, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça a été une série très tough. Puis on s'attendait quand même à ça aussi. Quand que c'est arrivé le classement final, puis je vais être honnête avec toi, là, nous, on ne voulait pas pogner Sorel parce qu'on trouvait qu'au classement, Sorel n'avait pas d'affaires où est-ce qu'il était au classement. Sur le papier. Une bonne fin de saison aussi. Oui, puis tu sais, ben, on savait qu'Alexandre Kenel serait là en playoff, qu'il n'avait pas été là nécessairement toute l'année. Puis le fait qu'Alexandre Kenel soit là, ça a changé comme la dynamique de leur top 6. Là. Il se ramassait avec deux lignes hyper offensives, une aussi bonne que l'autre. Pour ça, leur première ligne, c'était qui? Puis là, il tombait comme avec une deuxième ligne aussi avec Canel qui arrivait. Puis Elmer qui est arrivé en cours d'année aussi. Fait que on n'était pas à prendre à la légère. Puis on redoutait cette série-là. On l'a gagné cette série-là. Puis je suis bien heureux. Mais sans dire que Sorel a joué du très bon hockey aussi. Là, on ne l'a pas eu facile. Puis certains soirs, dans la série contre Sorel, la chance que Sébastien Auger était là. Là parce que Sébastien Auger, il en a gagné des matchs à lui seul, ce que je te dirais. Pas nécessairement lui seul, mais il a fait des sacrées performances qui nous ont permis de gagner contre Sorel. Je pense qu'une grosse partie de la série s'était jouée là. Je pense que Sébastien a eu une bonne série. Je pense que côté de Sorel, ça a été un petit peu plus difficile. Sans dire que ça n'a pas bien été, là, mais sans manquer de respect à personne, je pense que Sébastien a eu le dessus dans les nets, ce qui a fait une énorme différence là, dans la série contre Sorel. Si on regarde là, au niveau, justement, en parlant de gardien, si on regarde au niveau dans toutes les équipes, là, dans les séries, c'est pas mal la seule équipe qui a opté pour la stratégie là, que il y a plus qu'un gardien qui garde pas mal tout le temps les buts, là, c'est, en l'occurrence Auger. Absolument. C'est quoi qui a motivé, je ne sais pas, le choix?
question de feeling ou... Honnêtement, je suis... Tu sais, puis on a... Puis on s'en cachera pas, là, moi et Serge, toute l'année, on a fait beaucoup d'alternance entre Sébastien et Raphaël Girard. Puis on a décidé en début, tu sais, en parle Girard, puis tu sais, je veux pas dans ces là. Oui, on a beau être les coachs, mais tu sais, c'est pas nous qui est dans la chambre, c'est pas nous les joueurs. Fait que, c'est sûr qu'on a consulté nos vétérans, ainsi de suite. Puis tu sais, tout le monde a dit qu'il est à l'aise avec les deux goalers, mais on a décidé d'y aller, de commencer le playoff avec Sébastien G. Puis c'était pas plus dans le béton que c'était Sébastien qui restait là tout le long, puis que Raphaël, il était bien averti que. T'sais, ça n'a pas le sens dire qu'il n'aurait pas regaulé des playoffs. Mais Sébastien a tellement été hot que, sincèrement, c'est plate pour Raphaël. Puis honnêtement, je dis c'est plate pour Raphaël, mais c'est tellement le meilleur coéquipier. Là. Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, mais je vous dirais, moi, en tant que coéquipier, c'est un des bons que j'ai connus dans ma carrière. Là. Raphaël, souvent, quand tu es un deuxième gardien, tu fais quasiment le malheur de un pour prendre le net. Là. Puis Raphaël, c'est un des premiers à parler, faire des speeches dans la chambre. Puis, c'est le premier qui est le meilleur coéquipier au monde que tu peux pas avoir comme backup. Là. Ben, tu sais, je dis comme backup dans les séries d'aujourd'hui parce que c'était pas prévu. L'année passée, on pourrait dire que c'était Girard cette année, ça tombe OG. Exact. Mais l'année passée, pour revenir à ça, l'année passée, on a commencé avec OG et on avait un peu la même stratégie que si ça allait moins bien, c'était Raphaël qui prenait l'aide. Puis l'année passée, on a commencé avec OG, ça avait moins bien été, puis on a fini avec Raphaël. Fait qu'il y avait eu quand même de l'alternance, mais là. T'sais, c'est difficile d'enlever Sébastien. T'sais, ton gardien est gros comme ça n'a pas de bon sens. Donc, on n'a jamais eu. Ce qui est dans l'honneur de Sébastien, parce qu'on lui avait dit, t'sais, ton net, tu peux juste le perdre. Dans le fond, on te donne le spot, tu peux juste le perdre. Puis, honnêtement, on le voit, là, il connaît des séries du tonnerre. Puis, on connaît un peu l'historique de Sébastien quand on l'a repêché. On savait qu'il avait été le meilleur gardien, le CIS, dans le réseau universitaire. 2 ans de suite, il avait été le meilleur gardien de but au Canada. Donc, on savait que dans des moments importants, c'est un goaler qu'on voulait avoir de notre côté, puis c'est ce qui résulte le résultat d'aujourd'hui. Moi, j'avais quelques facts. Je ne sais pas si tu avais une question à propos de ça, Dave. À propos des gardiens? Ouais. On a fait le tour. Ouais, je voulais parler un peu de Sébastien Auger, puisque justement, il a fait toutes les séries, mais non, ça a bien eu. Bon, moi, j'avais quelques facts. Aujourd'hui, Jean-Michel Poulin a partagé votre descripteur a partagé un texte de quand vous aviez gagné en 2010. Donc, j'en regardais un petit peu le texte. Ça remonte quand même à quelques années. Le CRS Express de Saint-Georges a remporté la Coupe Futura vendredi à l'issue d'une victoire de 3-0 sur le Saint-François de Sherbrooke. Donc là, on est rendu en 2023. Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis ce temps. Hein? Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Il y a des joueurs qu'on nomme aussi là, qui sont plus actifs dans le texte. Et c'est Dave qui m'a envoyé une petite photo. Le capitaine à l'époque. Ouais. Le dernier capitaine du coup, l'avoir gagné du CRS à l'époque, mais avoir gagné la coupe. Donc, ici, on peut voir le monde de la rouge. C'est quand même poétique un peu que Saint-Georges revient à la finale et qu'il est maintenant rendu DG alors qu'on va avoir la chance de remporter la coupe encore. Absolument. Puis ce qui est drôle, c'est que ça fait 13 ans et on dirait qu'il a l'air toujours aussi vieux qu'il avait l'air dans le temps. Attends, on va la remettre. Il y a plus de cheveux. Il y a plus de cheveux. Ouais, il y a plus de cheveux. Peut-être un petit peu plus gris la barbe aussi. Puis moi, j'étais pas là. Une barbe de vétéran, ça fait chaud. Ouais, c'est ça. J'étais là, tu sais, j'étais pas là en 2010, évidemment. De mémoire, j'étais vraiment tête feuille à ce moment-là. Tu sais, puis ça reste que c'est incroyable de pouvoir l'offrir à nos fans, tu sais, sincèrement. Puis on devient une des vieilles, là, je sais, des équipes dans cette ligue-là, là, depuis des années, depuis quoi, 20, 25 ans, depuis le début, Saint-Georges sont là. Tu sais, c'est hot, là, ce qui arrive en ce moment, tu sais, là. Puis en plus, nous, comme on le disait tantôt, la ville est hockey à Saint-Georges, le Géant 3 est en finale, le Cool FM est en finale. Fait que c'est cool pour que la ville puisse voir d'un côté comme de l'autre deux équipes en finale dans des calibres assez relevés. Là. Je trouve ça cool. Puis sincèrement, ce qui se passe en ce moment, le buzz, là, il est juste malade mental. Puis je l'ai connu, le buzz ailleurs, dans d'autres organisations, la finale, ainsi de suite. Mais genre, le buzz, là, c'est un autre level là-bas, en boxe actuellement. C'est vraiment un autre level. Puis ce que j'ai plus hâte de voir, c'est samedi. Ben, tu sais, oui, vendredi à Thetford, samedi, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va entasser tout le monde. Parce que, tu sais, depuis nous autres, on a 2005, 2007, depuis un bout, puis il y a 2400 sièges.
Je pense que la ville, tu as jusqu'à 3300 places ou quelque chose comme ça. Il y a 2700 places actuellement, puis il y a du monde debout, puis il y a deux rangées. Je suis en train de me demander s'il ne va pas falloir qu'il y en ait qui coachent des fans avec d'autres en arrière du banc parce qu'il y a de la place. Rappeler les bas pénalités aussi, il va falloir que les gars se traînent. Je ne sais juste pas où on va les mettre, mais je sais juste hâte de voir l'entrée. Ça va être malade. Là, ça va être quelque chose de ça va être des souvenirs gravés à, pour les joueurs, ne serait-ce que pour les joueurs. T'sais, c'est cool. Là, que ce soit qu'on parlait tantôt de Francis Paris ou de Mathieu Roy, peu importe les gars, ils ont joué dans le show. Là. T'sais, c'est le fun à Motadi à 38 ans. N'importe qui. Tu as joué dans les grosses ligues, tu as 38 ans. Tu travailles à temps plein. Tu peux encore te permettre d'aller jouer au hockey et avoir 3300 personnes qui te Je te dis, les gars ont le frisson. On est en boxe. Les gars, ils ont connu les grosses ligues. Tout ça. C'est-tu hot pareil qu'à notre âge, on puisse vivre encore des frissons comme ça. T'sais, signer des autographes. Tout ce qui vient avec ce monde-là. C'est tellement hâte de pouvoir le vivre là, à l'âge qu'on est rendu. Tu sais, quand tu penses que le hockey, tu arrives dans notre ligue, tu te dis hey, c'est fini pour moi. Mais tu sais, c'est pas si fini que ça semble être fini. Moi, te le dire sincèrement, là, c'est pas si fini que ça parce qu'on vit des moments incroyables. Tu peux juste dire aussi que le TIF a gagné le championnat des pointeurs à 38 ans. Exact. Et dans ce film-là aussi. Tu sais, puis même pour lui, tu sais, c'est incroyable pareil. Tu sais, que justement, l'âge fait qu'on peut arriver à des niveaux comme ça. Tu sais, puis c'est de toute façon l'honneur, là. Tu sais, puis on sait comment que Tiff aime le hockey, là. Mais, tu sais, offensivement. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il a fini le premier score de la Ligue, là. Puis lui-même, il va le dire, il n'a pas eu un bon début de saison, là. C'est ça le pire. Avant Noël, là, je pense qu'après 20 games, je pense qu'il y avait deux buts, là. Fait que, tu sais, il n'avait pas un bon début. La ligne, c'est quand vous avez fait la VLT. Exact. Quand on a fait les changements de ligne, c'est là que ça, lui, Max Lacroix, puis Anthony Verrette, ça a comme changé la dynamique de la saison. Tu sais, il finit premier scoreur de la Ligue, puis au début de l'année, c'était pas si facile que ça. Là. C'est bien ça le pire. Mais tu sais, c'est hâte de pouvoir vivre ça à l'âge qu'on a. Tu sais, même les plus jeunes qui arrivent, on en a des jeunes aussi là, tu sais, qui arrivent puis qu'on leur fait les fait mettre dans le bain de gars, comment c'est hâte, la Ligue nord-américaine. Tu sais, ben, je pensais jamais c'était de même. Peu importe de où est-ce que tu arrives, je pensais jamais que le vibe était aussi big que ça. Fait que c'est cool de voir les jeunes qui rentrent aussi dans le bateau avec les plus vieux pour vivre ces émotions-là. Là. Ouais, t'as parlé du TIF, faut que je te pose la question. Dimanche, faites un beau but, mais c'est quoi l'histoire des bas blancs? Le TIF dimanche, il était-tu trop sale les bas noirs ou y a-tu eu un oubli? Non, mais. Apparemment, c'est une question que TIF, il y a des tocs un peu. Hein? Honnêtement, je ne suis même pas tant au courant de l'histoire, mais je pense qu'il avait oublié ses bas. Là, il en a fait une grosse histoire parce qu'il n'y avait pas les bons bas pour jouer. Fait que là, il y avait des bas blancs. Mais là, je pense qu'il avait score un goal la veille. Je ne suis pas trop sûr de l'histoire des bas, là. Mais c'était une affaire de toc qui avait oublié ses bas. Puis là, ça avait bien été avec les bas. C'est une histoire de même. Là, ça a bien été dimanche. Tu dis qu'il est obligé de mettre tout le monde. Je ne connais pas l'histoire d'un fond dans le gomme, mais selon moi, il va mettre les bas blancs vendredi. Selon moi. Ouais. Jean-Paul Veilleux nous dit qu'il y a déjà eu 3280 personnes dans le temps du Garaga. Exact. Mais tu sais, puis je ne veux pas m'avancer dans rien, là, parce que c'est Stéphane Rouleau qui m'a parlé de ça, il me semble, il y a deux semaines. Je pense que la ville tolère jusqu'à 3300 personnes dans l'aréna. Fait que, tu sais, il y avait 3280 combien? 3280. Bon, ça prend 3281, battre le record, bon, on va être correct. Ouais. Je sais qu'à Sorel, quand il sera dans la finale, c'est ça, la ville donne une limite là, sur l'assistance. C'est ça. Exact. C'est sûr. Peu importe combien de monde dans l'aréna, l'assistance annoncée ne dépassera pas 3300. C'est ça, en principe. Je serais curieux de savoir, je ne me rappelle pas, par exemple, quand Rivière-du-Là a gagné, je pense qu'il y avait du monde dans Motadi. Ah, il y avait 4, en 2016, il y avait pogné 4000. Ouais, c'est ça, l'aréna, je pense qu'elle est grande. Là, fait que, ouais. il y avait eu du monde, là, c'était épouvantable, le gars, c'était hot aussi. Là. Mais ça va être cool. Je pense que, on peut-tu, mettons, si c'était pas arrivé depuis, je pense que c'était jamais arrivé même, là. T'sais, une finale Thetford Saint-Georges. Je pense que l'issue de tout ça, je pense qu'on peut-tu rêver à quelque chose de plus hot que ça. Oui, on s'entend que tout le monde a sa propre équipe, là, mais en tant que ligue, mettons, tu peux pas. Admettons que Gary Bettman gérait notre ligue. Là, il ne souhaiterait pas une plus belle fin que ça, mettons. On s'entend-tu? Là? Ouais. Fait que tout le monde va y gagner, puis ça va vraiment, vraiment être trippant. J'ai déjà hâte à. Thetford vendredi, que quand nous on va scorer, notre foule va écœurer l'autre foule. T'sais, évidemment, on ne veut pas que ça déborde, là, mais on parle d'écœurer, on parle de se taquiner plus. Là. J'ai hâte là, de voir qui va crier le plus fort dans l'aréna de chacun. Le boss va vraiment être trippant.
Il y a une demande spéciale, je pense, dans le chat là, de Martin Fecteau qui dit est-ce que Larry pourrait nous faire un bout du père Abraham en direct? Merci. je vais la faire, mais juste si je gagne la coupe à Thetford. Ah, ben non, okay. Ça, c'était dans le temps que je jouais. Il y avait un petit bar à côté de l'aréna, puis c'était ma toune fétiche que je faisais mon chansonnier, puis tout le monde me suivait mes paroles quand je chantais cette chanson-là. Fait que c'est resté depuis quelques années. Puis la toune, c'est le père Abraham. Ouais, le père Abraham et ses sept fils. Ah, OK. Okay. Je la chanterai maintenant. Je vais aller écouter ça après le show. C'est bon. Il me restait deux, trois petites questions. Je voulais parler de Serge Forcier, parce qu'il n'était pas disponible pour être là avec nous ce soir, mais je ne sais pas si c'est mon impression, là, mais j'ai l'impression depuis le début des séries, à chaque fois que Saint-Georges joue une mauvaise période, on dirait tout le temps que la période suivante, puis quand dans la série contre Sorel, ça m'a fait la même chose quand j'ai regardé les matchs contre Laval, là, mais dans la série contre Sorel, quand Saint-Georges jouait vraiment une mauvaise période, j'étais comme... J'avais tout le temps une appréhension sur la période qui s'en venait, puis je me dis que c'est plate que la période doit se finir là parce que j'aurais continué à jouer parce que là, ils vont avoir le break, puis je sais qu'ils vont venir fort. Parle-nous un peu de comment ça se passe dans la chambre entre les périodes avec Serge Forcier, parce que j'ai tout le temps l'impression qu'il apporte les ajustements qu'il faut, tu sais, pour... Puis je serais menteur de dire que, mettons, si Serge est chef d'orchestre, là, c'est le Mozart de notre équipe d'hockey. Je viens de faire 20$ parce que les gars de la Vanette, ils voulaient que je dise le mot Mozart. 20$, les boys. Mais. T'avais-tu une série de mots? Je viens de faire 20$, merci, boys. Mais, sincèrement, tu sais, on serait pas là si t'as pas de Serge. Tu sais, puis les joueurs te le diraient. Je pense, David, tu l'as connu à Sorel aussi. Tu sais, il est hyper méticuleux. Tu sais, dans cette ligue-là, c'est pas tout le monde nécessairement qui a le temps, je pense, tu sais, avec l'emploi, tout ça, de faire du vidéo comme lui en fait. C'est un gars qui fait beaucoup de vidéos. Fait que, tu sais, c'est un gars qui a une excellente tête d'hockey. Tu sais, coaché junior majeur à l'époque. Il a toujours été dans l'hockey universitaire. C'est un gars qui était un. Tu sais, dans cette ligue, il s'en fait pas de temps. Il y a beaucoup de bons motivateurs, mais il n'y a pas beaucoup de bons techniciens. Puis Serge, il fait partie des. Tu sais, ça fait longtemps que je suis là-dedans, là, puis je m'en cache. Je sais pas si Serge est le meilleur technicien qu'il a jamais eu dans le coaching de la Ligue nord-américaine. Donc, ce qui est bon avec Serge, c'est qu'il s'arrive sur... Tu sais, il voit la game, il voit les points techniques, puis sincèrement, ce qui est important entre les périodes, puis moi, je suis le premier à le dire, c'est le discours, tu sais, le ton de voix, l'intonation. Serge est un très, très bon narrateur. Donc, tu sais, c'est très bien s'exprimer, fait comprendre ses points. Je pense que c'est toujours clair et précis. Puis Serge est surtout très respecté dans la chambre. Tu sais, puis moi, je le dis toujours à la blague, là, quand M. Serge se fâche, les élèves y écoutent. Là. M. Serge, là, quand il lève le ton, ben, t'as affaire à rester assis et de l'écouter. Puis ça va, tu vois, il n'y a pas personne qui a envie de dire un mot quand Serge se fâche parce que ça marche, parce qu'il est respecté des boys. Pour être respecté, je pense que tu n'as pas le choix d'être ridiculeux. Puis il faut surtout aussi que tu sois, que les gars se rendent compte que ce que tu dis, ça fait toujours plein de sens. Puis ça fait toujours plein de sens. T'sais, c'est une excellente tête d'hockey. Puis je le répète, si Serge n'était pas là, on ne serait pas là. C'est un gros, gros morceau du puzzle. Puis là, en passant, si les gars de la Vanette me doivent 20$, selon moi, Serge m'en doit 20 aussi. Puis ça fait un peu suite à la question que je voulais poser par la suite. Si on parle de la série contre Laval, match numéro 5, vous avez quand même le vent dans les voiles, né 3-1, vous arrivez à Laval, grosse foule, retour de Danick Paquette. Laval sort en Lyon. On va se le dire, Laval a quand même dominé ce match-là. Qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre après le match numéro 5? C'est-tu juste les gars, ils ont. Comme tu avais fait dans semi-pro, là, selon la calée, sa vidange. C'est-tu un peu ça qui. Oui. Ben, tu sais, oui, puis non, oui. Je te dirais oui en contrepartie parce que tu peux retirer le zéro positif de cette game-là. Puis, sincèrement, je suis pas sûr que ça n'a pas été notre. Tu sais, on a joué quoi, 50 matchs cette année? Je suis pas sûr que ça n'a pas été notre paye des 50 cette année. Tu sais, à tous les points de vue, on a été dominés d'un bout à l'autre. Tu sais, puis à la blague, j'ai plusieurs bons amis à moi qui sont venus, c'était le premier match qui venait cette année, qui sont dans Laval. Tu sais, puis ils ne me croyaient pas là, que c'était 3-2 cette série-là. Là. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est impossible qu'ils venaient 3-2 la série. T'sais, on a tellement été mauvais que c'était incroyable. Puis quand on a gagné le lendemain, c'est impossible qu'ils aient gagné cette série-là. On n'était juste pas là. J'ai l'impression que
je sais pas si c'est le... Tu sais, puis personne n'en parle, mais la foule à Laval là, est intimidante. Sincèrement, là, c'est intimidant. Tu sais, l'aréna de Laval, c'est plus ce que c'était. C'est plus la Torfnus que c'était à l'époque. Mais ça sent juste... Ça sent la, quand même la terreur à Laval. Ça sent pas bon. Ça pue, mais ça sent la terreur. Ça sent, tu sais, on va se faire crier des niaiseries. Je sais pas, c'est quand même assez intimidant. Donc, c'est quand même dur de gagner des games à Laval. C'est, je m'en sers vraiment pas comme excuse. Mais tu sais, nous, on avait fait le gros de notre travail en gagnant la première partie à Laval. Tu sais, puis quand t'as pas l'avantage de la glace, faut t'en gagner une sur la route, là. Mm. On avait été à chercher la première game. Fait tu sais, sans dire que le gros travail, la job était faite au complet, mais on avait gagné notre game sur la route. J'ai l'impression que même la game, l'autre game aussi, qu'on a joué, la deuxième match qu'on avait joué à Laval, on n'a pas été bon non plus. J'ai comme l'impression qu'on s'était plus un petit peu écrasé, la foule nous avait un petit peu intimidé. On ne l'avait pas pendant tous ces deux matchs-là. Sincèrement, c'était quasiment comme une série d'Homer. On était tellement confiants qu'il y a une autre à Saint-Georges, on allait gagner. C'est comme si on se disait dans la tête, on dit, je sais pas, ça, le subconscient, OK, regarde, ça, là, on peut se permettre de la perdre. Puis dimanche, on va aller gagner. Puis dimanche, on savait qu'il ne fallait pas la perdre. Là. Mais on disait que dans le subconscient, on savait que ben, on va la perdre celle-là. Puis anyway, là, on va gagner chez nous dimanche. Je pense qu'on avait un peu cette confiance-là qui peut être bien placée ou mal placée. Mais je pense qu'on avait confiance de gagner dimanche. Mais tu sais, c'est des matchs que, c'est justement, comme tu dis, tu vois ça, tu trouves ça dans les poubelles. Puis d'attitude. C'est un peu le discours qu'avait Serge aussi. Parce que, tu sais, quand tu es rendu à Game 5 et que tu manges une volée, je pense pas que c'est le temps de tout pitcher dans la chambre et de commencer à tout casser. Peu importe le niveau où tu es, que tu sois dans la Ligue nationale, que tu sois dans la Ligue nord-américaine, je pense pas que c'est le discours que les gars veulent entendre. Puis c'est surtout pas que tu n'en as surtout pas besoin de le faire à ce moment précis-là. Si tu avais le faire, je pense que tu le fasses bien avant ça. Donc, c'est vraiment juste de prendre ce match-là, de le mettre derrière nous. Tu sais, il n'y avait rien de positif à prendre de ce match-là. Ne serait-ce que peut-être le combat, les combats à Dave Hamel. Puis qu'en passant, Dave, je sais qu'il nous écoute. Là. Sérieux, quel job. Tu sais, puis je l'ai fait, ce job-là, puis c'est pas évident. Puis, tout le monde dit en play-off, tu sais, les combats, ça vaut rien. C'est vrai que ça ne change pas nécessairement la game parce que c'est pas ça qui va changer une série play-off. Je comprends, mais nous, les gars, respect, ils ont tellement un grand respect. Dave prend tellement beaucoup de une place positive dans notre chambre que quand il gagne ses combats, ben, les gars sont comme plus fiers que lui, il est fier. Puis Dieu sait qu'il est fier en mot à dit quand il gagne ses combats. Là. Mais c'est un effet de groupe. Ça risque de l'effet de groupe. Tantôt, tout le monde est content pour tout le monde. Donc, Dave fait partie du groupe. Puis ce qui est le fun cette année, moi, ce que j'aime, c'est que en saison, les 19 joueurs en play-off, on est autorisé à être à 20. Puis à 19 joueurs, peut-être que Dave ne serait même pas là. Parce qu'on irait peut-être avec plus des joueurs d'hockey. Puis le fait qu'on est 20, ben Dave a sa place avec nous, puis on est content qu'il soit là. Fait que le 20e joueur amène cette dimension-là, puis plusieurs vont dire mais oui, ça vaut rien des toughs. Non. Je te dis juste qu'il soit assis, son, ses gros fesses sur le banc. Là. Dave, là, il est important dans notre chambre. Les gars veulent qu'il soit là. C'est même, je te dirais même qu'en première ronde contre Sorel, là, vous n'en aviez pas de bagarreur. Là. Il a servi strictement à rien. Puis on le savait, mais on le savait juste que sa présence sur le banc, c'était nos boys qui étaient contents. Puis c'était peut-être un petit peu de terreur aussi de mettre un petit peu de terreur au bord que les Malouins ou peu importe, parce qu'on sait qu'ils sont capables de jouer la game de pèse un peu, ben restez-vous tranquille parce qu'on peut l'embarquer. Fait que tu sais, mais ne serait-ce juste comme coéquipier, il est très, très, très important à notre équipe. Puis même contre Sorel, il était là, puis contre Laval, là, puis contre Tedford, il va avoir son importance de notre côté aussi. Le cousin dit dans le chat que tu vas te mettre triche à soir un autre 20$ de Dave Hamel. Il faut 60. En plus, Serge, je ne sais pas, mais on inverse les payes. Je prends sa paye en chef que je fais l'entrevue à sa place à soir. Ben, je vais un autre 20 de plus. Moi, je vais t'offrir un 20 de plus parce qu'en terminant, j'aimerais ça que tu dises peut-être un message d'invitation là, autant la foule de Tedford que de Saint-Georges, on en a parlé, deux villes qui sont quand même prêtes. Mais peut-être faire un petit message là, en vue des séries pour encourager les gens là, à venir voir ça. Oui, bien, tu sais, comme je disais tantôt, c'est la première fois que ça a lieu, là, une finale des deux côtés. T'sais, est-ce que ça fait quoi, 25 ans avant que ça arrive? T'sais, est-ce qu'on a besoin d'attendre un autre 25 ans avant que ça arrive? On ne sait pas, ça va prendre combien de temps. Fait que, tu sais, je pense que, si Luther dit, tu ne veux pas manquer ça. Mais tu veux pas manquer ça, cette série-là. C'est le cas de le dire. Et sincèrement, ça va être une série incroyable. Je pense que c'est deux grands clubs de hockey qui vont s'affronter. Une rivalité naturelle qui dure depuis jadis des années. Ça va juste être écœurant. Je pense pas qu'il y a quelque chose, à moins que ta ligue de bowling soit bien, bien, bien excitante et samedi soir. Je pense pas que tu as quelque chose de mieux à faire que venir à ta game
du cool FM que d'aller à ta game de bowling samedi soir. Fait que t'as aucune raison de pas te déplacer. T'sais, ils ont été présents depuis le début des playoffs, puis pour vrai, l'ambiance au centre de la Croix-du-Sil est juste malade. C'est incroyable l'ambiance qu'on a depuis le début des playoffs. Fait que, tu sais, puis ça soit aussi du côté de Thetford, tu sais, je leur souhaite du monde aussi. Je souhaite que l'ambiance soit cool aussi. J'ai été témoin, j'ai été à Thetford pendant des années. Je sais que leur foule va être présente, ça va être bon pour les deux équipes. Tout le monde va en sortir bien gagnant, puis ça va être juste être des souvenirs incroyables pour les deux équipes. All right. Ton 20 piastres est fait, là, t'es rendu à 100. Hey, merci. Sur ces belles paroles, merci à Larry là, de t'être prêté au jeu, d'être venu ce soir au podcast. En te souhaitant bonne chance pour cette grande finale. Puis tu diras à Bobby que je gagne 20 piastres, que je gagne la série. Oh. Et il t'écoute, il est dans la salle d'attente. Parfait. Bobby, on s'appellera 20 piastres en série. Call les boys. All right. Merci. Non, Larry, salut, Larry. Boys. Yes. Est-ce qu'on est prêt à aller tout de suite avec notre prochain invité? Bobby accepte le pari. À... on pourrait lui demander d'entrer de jeu. Salut, Bobby, ça va bien? Ça va bien, gars, vous autres? Oui, ça va bien. Ça va bien. Excellent. D'entrée de jeu, est-ce que tu acceptes le pari de Martin? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pensais que vous avez plus d'argent que ça à Hydro-Québec, mais c'est correct. On va y aller comme ça. À coup de vin, là, je ne sais pas. Tu sais. Avec Bobby Barry, entraîneur-chef de l'assurance de Thetford. Donc, merci Bobby de t'être prêté au jeu. J'ai vu que tu étais là un petit peu là, dans la salle d'attente pendant qu'on était avec Martin. Donc, tu sais qu'on va te poser quelques questions là, sur la saison de l'assurance. Sur les séries là, que vous avez eues jusqu'ici. Donc, peut-être ton impression générale là, de la saison de l'assurance cette année? Premièrement, je veux juste vous dire que ça va être plus plate. C'est intimidant de passer après Larry. C'est un bon orateur. Hein? Parce que je t'ai texté tantôt, Seb, parce qu'on serait là jusqu'à minuit. Il aurait jasé jusqu'à minuit, lui. Là. Ouais, je sais. Là. C'est pour ça que. Pour ça, c'était correct que je passe après. Là, il est habitué. À chaque fois qu'il y a une émission, c'est la Ligue nord-américaine, il est dedans, dans toutes les émissions. Tout ça, puis je voulais voir un petit peu comment ça se passait. C'est une machine de guerre, Larry, que j'ai appris. Si on compte les présences, je pense que c'est ta troisième ou ta quatrième à toi aussi, là, par exemple. Non, mais je ne suis pas dans les films. Lui, il passe dans les films. Puis tout, c'est un acteur, Larry. C'est un professionnel. Là. C'est un professionnel. Il est crédité, il est sur rien. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, mais ça va être plus plate. Moi, je vous le dis, ça va être plus plate que lui. Je vous le dis, il est bien plus intéressant. Non, mais on connaît quand même ton franc-parler, Bobby. On a la chance d'écouter tes entrevues d'après-match. Ouais, des entrevues assez divertissantes au fil des années aussi, toi aussi. J'ai pas peur pour ça, Bobby. T'es capable quand même d'offrir des belles... On va essayer. Donc, ton impression générale sur la saison de l'assurance? En fait, ça a été une bonne saison. Ça a été une saison... probablement en deux temps, je te dirais. C'était une saison en montagne russe aussi. On a, je pense que le début de saison, beaucoup d'absents, beaucoup, tu sais, je veux dire, Larry l'a dit tantôt, dans la Ligue nord-américaine, à un moment donné, où est-ce que les gars travaillent, les gars ont des enfants, dire, tu peux pas arriver et dire, regarde, si t'en joues pas 36, tu joues pas. C'est utopique de penser comme ça. Mm-hmm. Fait qu'il faut faire avec, avec les adultes de Pierre-Jean-Jacques, puis c'est correct. Puis c'est notre manière de voir les choses aussi à Thetford. Fait que je veux dire qu'on a eu de la misère à prendre notre air d'aller. Probablement que depuis les fêtes, je pense qu'à un moment donné, dans le tour du temps des fêtes, on devait être à 12 ou 14 points de la tête. Fait que ça me dit qu'au moins, je pense qu'on a mieux fini la saison. Je dirais que je pense qu'on n'avait pas de défaite à temps régulier dans les 12-13 dernières games. Fait qu'on on a bien fini. Là, bonhomme à l'an, quand les gars ont commencé à rentrer dans le line-up. Puis, parce que on a eu une très, très, très belle saison l'année passée. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Si tu recommences souvent puis tu penses que tout va cesser, tu pèses sur Anne, puis c'est la continuité de tout ça, mais c'est pas ça. Les équipes changent, les équipes s'améliorent aussi, puis tu as un target dans le dos. Fait que ça a fait une saison en deux temps, mais on est bien content. On est bien content de la manière dont ça s'est passé. Tu l'as dit, il y a eu quelques blessures là, au cours de la saison. En début de saison, on savait déjà qu'Alexandre Boulay allait être absent là, pendant un moment. Finalement, là, une autre blessure un petit peu plus tard. Comment vous avez géré ça de ce côté-là, vous? Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois qu'il y a eu quand même des belles révélations cette année, là, des joueurs qui ont pris la relève. Oui, mais c'est sûr. Je veux dire, en fait, on a un corps intéressant à Thetford, on a une manière de fonctionner où est-ce que les.
sais, on a une bonne chambre, puis ça rentre dans le même bord. Mais je veux dire, quand tu perds, tu sais, Alex, on savait qu'il n'était pas là. C'est quoi l'année passée? C'est un but par match. Fait qu'il faut que tu compenses un but par match. Il y a du monde qui ont steppé up. Et, quand tu regardes, on parle de production offensive, mais c'est pas juste ça. Si on regarde but pour but, c'est probablement. On va parler de production défensive aussi après. Mais là, je parle, tu sais, par rapport à goût, ben, tu regardes Joey Ratel. Joey Ratel a connu une saison extraordinaire, fini premier buteur de la Ligue. Fait que c'est un gars qui a amené de l'eau au moulin quand même. Il a fait un bon duo avec Dave Labrecque. Mais tu sais, on a une équipe qui. On roule pas sur deux gars, là. C'est Max Lecour, puis Beauvillier, puis à chaque soir, c'est quelqu'un d'autre qui step up là-dedans. Puis Max Poudrier, puis Chris Lozier. Du moment que Watts rentre, Francis Wattier change notre offensive aussi. Fait que, et on n'est pas un one-man show là-dedans. On est un club qui est collectif. Puis on savait qu'on avait une production offensive à compenser. Mais je veux dire, il nous manquait un but par match. C'est pas nécessairement de force en prendre un but par match. Si on en donne un de moins, on revient à Ivan aussi. Là. Mm-hmm. Fait que c'est collectif, toute cette bébelle-là. Un autre joueur dans les révélations, Christophe Lalonde, est arrivé le 3 décembre dernier, était plus d'un point par match. Est-ce que tu pourrais nous parler de lui un peu? En fait, il serait arrivé bien avant ça s'il n'y a pas quelqu'un à Ligue qui avait scrappé notre transaction au début de saison. Mais ça a pris du temps. Mais Chris c'est un joueur qui nous a amené de l'offensive. On va dire, son acquisition, c'était justement pour compenser certaines choses. Puis on savait que Gou n'était pas là, puis on savait que ça nous prenait un petit peu plus d'offensive. Et on aurait aimé ça, nous autres aussi, rentrer à date limite un Francis Paré, mais on n'a pas les fonds à Thetford pour faire ça. On est une petite ville de 22 000 personnes. Hein, on n'était pas capable de le rentrer dans le budget. Fait que, fallu le faire différemment. Mais, tu aurais pu prendre sur ton budget personnel, peut-être. Non, mais j'en mets sa table avec Larry, fait qu'il faut que je fasse part des choses là-dedans. Okay. Mais tu sais, Chris, on savait qu'il nous amènerait de l'offensive. C'est un gars qui que ce soit junior majeur, que ce soit à McGill et tout ça. Il a amené des chiffres offensifs. Puis lui aussi, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas joué. Il avait peut-être 2 ans d'inactivité. Ça était plus dur à commencer la saison. Mais bonhomme allant, là, on l'a greffé avec Dave puis avec Rat, justement. Puis à un moment donné, on pognait l'horaire d'aller. Puis il nous rendait fier service. C'est une partie importante de notre équipe. Mais je veux dire, il fait partie, comme on disait tantôt, de notre collectif. Ou est-ce qu'un soir, c'est lui, un autre soir, ça va être un autre. Puis tu sais, je veux dire, il y a tout le monde qui participe à ça. Puis on nomme des noms. Mais je veux dire, je veux jamais. Tyler Boivin qui n'amène pas des chiffres comme eux autres, mais il amène de l'eau au moulin pour nous autres pour dans d'autres situations. On parle de blessés où Alex Goulet n'est pas là, mais on reprend Alex Tremblay. Alex Tremblay n'était pas là dans les playoffs l'année passée. T'sais, le jeune, il a faim aussi. Là, fait que c'est un gars qui va nous donner qui va être extrêmement important pour nous autres en finale. Moi, je l'ai parlé, là. Vous étiez en finale l'an dernier contre Laval, un autre très beau parcours. Selon toi, c'est quoi la plus grosse différence entre la finale de l'année dernière et la finale que vous apprêtez à jouer pour Thetford Mines? Ben écoute, c'est tout le temps des histoires différentes. Hein. C'est comme Larry a dit tantôt, on a gagné le championnat ensemble en 2012 ou 2015, puis tu te fais des histoires, puis c'est quelque chose que tu vas te souvenir tout le temps. Puis cette année, on ne peut pas vivre dans le passé à vitam aeternam. On a eu une saison incroyable l'année passée, un parcours d'un playoff extraordinaire. Maintenant, on passe à un autre appel. Là. C'est une autre saison, c'est d'autres clubs. Il y a des gars qui se greffent à ça. Les clubs sont différents. Laval, l'année passée, une bonne saison aussi. Il avait traversé les playoffs quand même assez facilement. On s'attendait à une guerre de tranchées. Puis, cette année, Larry l'a dit tantôt, je pense que pour la Ligue, c'est une finale qui est extraordinaire. Pour les deux organisations, c'est une finale qui est extraordinaire. C'est deux marchés. Thetford est le plus vieux marché. Saint-Georges est un marché clé dans la Ligue nord-américaine. Les propriétaires ont fait un job incroyable. Mais ces gens-là qui s'impliquent année après année pour garder des clubs à flot, ils méritent ça. Je veux dire, ça ne vient pas. C'est pas un tirage, là. C'est pas un tirage au sort qui vient d'arriver. Là. Je veux dire, les propriétaires des deux villes,
il va y avoir du monde dans les deux arénas, puis ces gens-là méritent ce qui arrive. Les spectateurs des deux villes, ils vont, je pense qu'ils vont voir, du grand hockey pendant 3 semaines, ils vont en bénéficier aussi. Fait que, comme Larry disait, si le Gary Bettman, je pense que c'est quelque chose qui, dans l'agenda, il disait si ça peut arriver éventuellement, là, ça arrive là, puis c'est, je pense que c'est extraordinaire, puis tout le monde va être gagnant de ça. Je me posais une question pour peut-être continuer un peu que ce que Dave disait. L'année dernière, vous avez gagné une série en 5 contre 3. Les autres, c'était en 4. Cette année, en 5 contre les Bâtisseurs, en 4 contre les Marquis. Vous avez quand même peut-être pas joué autant de matchs que l'année passée. C'était un peu comme ça aussi, toutes les séries là, en 4 matchs. Là. Mais l'inactivité, quand on voit que peut-être les pétroliers ont eu un break, là, puis l'année passée, ça n'a rien changé pour vous, vous avez gagné. Mais à quel point c'est un facteur, d'après toi, une activité, être reposé ou bien, tu sais, c'est le temps le dilemme là, que les fans se demandent. Ben, en fait, je veux dire, dans n'importe quelle situation, si tu parles avec les gens à Laval, dans n'importe quelle situation, puis on l'a vécu l'année passée, justement, puis Laval aussi, parce qu'ils avaient gagné leur série en 4, dans n'importe quelle situation, il y a du positif et du négatif. C'est comme ça. Bon, il y a un congé, tu étais dans un beat, tu gagnes une série, puis ça, de l'autre côté, le congé t'amène. Tu as des bobos, là, du contrat pas de menterie, des bobos dans les playoffs, là. Maintenant, on focus sur quoi? On focus sur le négatif ou sur le positif? C'est dans la situation où on peut pas tout contrôler. Du moment, on n'arrivera pas, ce serait le fun de tirer en 6, on aura moins de congés. C'est pas le même, ça marche. Là. On joue au hockey pour gagner nos matchs de hockey, puis. Ouais. Tu sais, là, ça nous a donné un break de quoi? 12-13 jours. C'est la situation, c'est ça. Maintenant, on fait quoi à partir de là? On contrôle ce qu'on peut contrôler. Mais il y a du positif, il y a du négatif, dans n'importe quelle situation. Fait qu'on va focusser sur le positif. Je sais qu'on est dans la tête des joueurs, on pense tout le temps un match à la fois, l'entraîneur aussi un match à la fois. Si on regarde le big picture avec le nombre de coupes de l'assurance, vous pourriez battre un record de la Ligue nord-américaine pour le nombre de championnats. Là. En ce moment, vous êtes à égalité avec 3 avec les Marquis. Est-ce que c'est des choses qu'on pense un peu? En fait, je ne le savais pas avant de le lire cette semaine à quelque part dans le communiqué. Fait que c'est-tu quelque chose? Allez, on gagnait en 2022, c'était fantastique. On a eu du plaisir, quoi que ce soit. Après ça, on s'est attaqué à la saison 2022-2023. Puis, c'est une belle photo, ça. Une photo que j'apprécie. C'était sharp, sincèrement. Comme on dit, ça laisse des souvenirs qui vont rester à vie. J'en ai une belle avec Larry aussi en 2015. Je n'en ai pas celle-là. J'en ai d'autres, par exemple. Oui, j'en ai pas pire. Mais, le morceau de métal s'est fait de maganer cette année-là. Ouais. Mais tu sais, c'est une autre histoire. Comme je te dis, je ne savais pas. Fait que on était bien content de l'apprendre. En fait, ce que ça montre, puis Larry a fait partie de ça pendant un nombre d'années, c'est que je pense que la constance des dernières années à Telford, c'est ça que ça démontre. Puis le crédit va aux joueurs, les joueurs qui portent ce chandail-là année après année, puis qui viennent pour les bonnes raisons. Je pense que le succès vient par le fait que tu ne veux pas avoir de mercenaire, et on n'a pas de mercenaire à ta feuille. Fait que, on regarde depuis ces années-là, c'est 3 coupes, on a probablement 3, peut-être 3 finales aussi. Fait que c'est la constance. Nos propriétaires, Serge, Gilles, puis Alex Bourque, les gars font un job extraordinaire. Je suis content pour eux autres de ce qui s'en vient. Ils méritent ça avec le temps qu'ils mettent. Ils en mettent autant que nous autres. Là. Serge est dans l'autobus à chaque match. On est content. L'organisation, je pense qu'on a une bonne réputation auprès des joueurs. On essaie de faire ça de la bonne manière. Puis les stats que vous venez de dire là, ça prouve ça. À partir de là, on s'organise pour être prêt pour 7h30 vendredi. Là. C'est là qu'on est rendu. Vas-y, d'aller. Parlant de stats, j'en ai une stats. J'imagine, celle-là, tu dois peut-être être un peu plus au courant, mais moi, ce que je trouve incroyable, depuis les séries l'année dernière, vous avez joué 22 matchs en série, vous êtes 20 victoires, 2 défaites. Ça, en partant, c'est assez impressionnant. Mais dans ces 22 matchs-là, il y en a
vous avez accordé 3 buts ou moins dans tous ces matchs-là, sauf un qui est le match décisif de la finale l'an dernier, quand le 4e but est venu après que vous ayez déjà marqué dans le filet désert. Fait que, on s'entend que ce n'est pas vraiment un match de 4 buts que vous avez donné, votre défensive. Moi, ça me fait un peu capoter que la défensive soit aussi bonne. Mais depuis le début de ces séries-là, le Cool FM, eux, ont une attaque aussi impressionnante. On marque 5,27 buts par match depuis le début des séries. C'est assez impressionnant. Fait que là, on a un peu the unstoppable force meets the immovable object. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, il va falloir que quelque chose qui se passe. Là. Soit la défensive va continuer de résister, soit l'attaque va arrêter, mais ça ne pourra pas être les deux. Ah, mais écoute, c'est des belles. Oui, les stats de playoffs, je suis au courant, effectivement. On sait que ces joueurs peuvent scorer les buts. Tu sais, je veux dire, je regarde ces trios, puis ils peuvent marquer des goals. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tu regardes. Hudon a des bons playoffs avec Paris, puis avec Veillette, puis Tifu, meilleur scoreur de la Ligue, avec Lacroix, puis Verrette, puis le recordman de l'histoire de la Ligue, il joue sur une troisième ligne avec Chagnon, puis Réaume. Fait qu'on, tu sais, je veux dire, on sait qu'ils peuvent marquer des buts, on le sait. On peut marquer des buts, nous autres aussi. Maintenant, c'est de la manière qu'on veut jouer notre game. Des bons gardiens de but. OG est un bon gardien de but aussi. Sa défensive. Je pense vraiment que c'est les deux clubs les mieux montés qui jouent en finale cette année. C'est ce que je pense. Je pense que c'est. Tu sais, Larry, il en a parlé tantôt. Nombre d'années à Thetford. C'est comment qu'on fonctionne. Puis j'ai toujours eu énormément de respect pour Larry parce que. Il y a une chose, c'est qu'il fait les choses de la bonne manière. Il fait les choses pour le vrai. C'est comme ça qu'on était les années de Freud. Puis il a fait une partie importante des championnats qu'on a gagnés. Puis je pense qu'il respecte la manière qu'on le faisait à Telford. Puis on le savait. Je veux dire, Larry jouait, puis je savais qu'à un moment donné, il serait dans la structure à quelque part. Là. Puis on va se le dire, entre nous autres, les trois. C'est un homme orchestre. Là. C'est le Grégoire Charles de Saint-Georges. Ça avait été un bête de nommer Grégoire Charles. Il est coach adjoint, il est assistant directeur général plus, il est dépisteur chef. D'après moi, il s'occupe des communications aussi. Sincèrement, c'est une machine de guerre. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on sait qu'il allait fonctionner dans une organisation et tout ça, parce que c'est un passionné. Puis. Mm-hmm. Il n'y a pas de manière d'avoir du succès dans ce bébé-là si tu n'es pas passionné. Si tu ne l'es pas, c'est parce que tu ne le fais pas pour la bonne raison. T'sais, on délaisse des choses. Là. T'sais, moi, en fin de semaine, les playoffs commencent, mais j'ai ma plus jeune qui est à la compétition de danse à Brossard. Je pense pas que je vais voir sa compétition en fin de semaine. Je vais en manquer. Là, un mois, est en compétition de danse à Gatineau et j'étais des playoffs contre Montcalm. J'en ai manqué deux. Je ne suis pas pire, je vais voir les deux dernières. Compétition. Mais tu sais, je veux dire, là, je parle de moi. Il y a un autre qui va jouer vendredi pendant que son enfant joue dans un tournoi à Shawinigan, puis il y en a un autre qui va faire une autre affaire. Et, tu sais, quand on parle de passion, c'est ça, c'est qu'on laisse des choses sur la table. Puis si on ne le fait pas pour les bonnes raisons, on est un peu des fraudes, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, parce que les deux clubs sont montés. Je parle de Larry. Ray de la Roseville est un vieux chum à moi. Là. On a vécu à Bécamo en même temps. Il a déjà dormi sur ma galerie. Ray aussi. J'ai vu votre photo tantôt avec le Cool FM. Il y en a une jardine belle aussi avec le chalet isothermique du Ray. Ray fait un bon job là-dedans. C'est un autre gars qui a les enfants à gauche et à droite dans le hockey, des business avec sa conjointe. C'est des sacrifices. Moi, je pense que je suis content que les deux organisations soient là. Je suis content parce que les gars, je les respecte beaucoup. Serge fait une bonne job. C'est le coach de l'année. Je pense que les deux équipes méritent d'être là. Je pense que c'est les deux équipes les mieux montées. Puis tout le monde va bénéficier de tout ça. Là. Tantôt, Larry parlait un peu là, de la chimie de l'équipe du Cool FM. Là, comment les gars sont. Il y avait 7 def au début de l'année. Puis il paraît que c'est de parler aux gars, puis que tout le monde aille sa place, qu'ils soient heureux là-dedans, puis ils ont progressé en tant qu'équipe. Du côté de l'assurantia, c'est quoi peut-être
le mindset. Si on va dans la chambre, on est un petit oiseau. Là, où, je sais pas moi, je m'en vais dans votre vestiaire remplir vos gourdes. Qu'est-ce qui se dit? Comment qu'on se sent? Hein? Bien, premièrement, présentement, on se sent fébrile. Parce que tout le monde est excité. C'est le mois de l'année. Quand tu arrives et tu joues au mois de mai dans cette ligue-là, tu es excité. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça prend des joueurs, comme Larry disait tantôt, puis je te l'ai dit tantôt, où est-ce que j'ai des gars, moi, qui sont impliqués. Je vous prenais Pierre-Luc Lessard, qui est à la tête du Graal, le hockey à Victoriaville. C'est sûr qu'il a manqué des games. Parce qu'à un moment donné, il y a une job, c'est important. Puis il y a des enfants, puis des joueurs de hockey dans sa structure, puis il doit être là. Puis il faut. C'est un exemple. Et Francis Wattier, qui est impliqué énormément au hockey dans le coin de Gatineau, Ottawa, en Ontario. Ses enfants aussi, ils roulent tempête dans le hockey. Là, je nomme ces deux-là. Je peux. Tommy Lafontaine, puis tout ça. Mais je veux dire, on est un club de vétérans. On est un club de. On sait qu'il y a beaucoup de gars qui n'en joueront pas 36. On sait que les gars sont prêts à faire des sacrifices. Ils vont marquer des matchs. Puis, mais tu sais, je veux dire, l'objectif. Et on ne gagne pas le championnat en fin septembre, là. C'est pas là que ça se passe. Puis il y en a qui ont manqué des matchs durant la saison, mais je veux dire, tout le monde, on sait à quoi s'en tenir, puis tout ça, puis on a besoin de tout le monde. Et Yann Joseph donne un coup de main, il n'a pas joué tous les matchs, mais c'est un gars qui. Est-ce qu'il y a 20 ans dans la ligue? Mm-hmm. Et on le met sur la glace, il a vu les jeux, peu importe la situation qu'on le met, et il l'a fait. Il l'a fait, et pour nous autres, c'est important. Puis c'est le club qu'on est. On est un club, moi je crois à ça, je crois aux vétérans, je crois à l'expérience. Je crois à Chambre énormément. Notre leadership dans Chambre est juste extraordinaire. Extraordinaire. On a reçu Éric Bertrand la semaine dernière qui nous a raconté un peu justement comment tu as fait appel à lui, vétéran comme il est. Puis il nous a même montré la bague l'année dernière. Ben, ça amène un exemple concret dans ce que je suis en train de te dire. Je crois à ça. T'sais, je crois à ce véhicule-là. T'sais, Bert, là, tu le mets dans une situation sur la glace, on s'entend qu'il a passé, il l'a déjà vu. Là. Il sait comment ça marche, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, t'sais, je veux dire, il a gagné dans notre chambre quand on fait le tour. T'sais, on a rentré un gars comme Samoul, j'étais un champion canadien universitaire. Notre pattern, on a beaucoup de gars qui ont gagné partout. Pour nous autres, c'est normal qu'on joue au mois de mai. Puis on veut jouer au mois de mai. Tout le monde fait des sacrifices. Puis fait que dans notre chambre, c'est le même. Quand c'est à ton tour, puis il y a des blessés. On a joué short là, deux games contre Saguenay. Et il y en a qui ont steppé up big time. Puis c'est parfait. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis il faut que ça marche de même. Et tout le monde a responsabilité. Puis tout le monde est capable d'en prendre plus. Fait que, c'est notre club. Je m'attendais juste à faire une parenthèse, par exemple, avec le sujet de tantôt, quand on parlait de l'offensive, pour amener quelques statistiques, l'offensive contre la défensive, pour amener quelques statistiques, le coup, l'FM ont les 8 premiers pointeurs des séries en ce moment. Puis si on regarde du côté des gardiens de but, ben, on a Francis Leclerc, Philippe Cadorette, qui sont les deux gardiens là, avec le meilleur pourcentage d'arrêt, 944. C'est quand même assez éloquent. Hein. Ben, écoute. Je pensais que tu allais dire la défensive gagne des championnats. C'est pour ça que je disais ça. Ben, en fait, c'est une perche. Comment? Je t'avais tendu une perche, tu l'as pas vu. Mais je t'ai dit que mon entrevue elle est plus plate que celle de Larry. Ah, t'sais. OK. C'est comme ça. Et écoute, nos goalers font un travail extraordinaire. Je peux dire, c'est la continuité de l'année passée. T'sais, l'année passée, c'était cadeau avec Katie. Puis Frank Leclerc, il est rentré chez nous. Je pense que c'était shaken un petit peu en décembre de la transaction, mais après ça, à partir de là, je peux dire, à partir de janvier, il fait un job extraordinaire. C'est un gars qui a faim aussi. L'année passée, il est tombé en finale. Et c'est un gars qui a faim. Il est content d'être chez nous. On est content de l'avoir avec nous autres. C'est extrêmement important. Et je veux dire, les deux gars font le job. Les défenseurs, la défensive, là, c'est pas on va te donner 16 échappés par match, puis essayer de nous arrêter 15. C'est collectif, c'est 5 cas à Atlas. C'est la manière qu'on veut jouer le match. Puis les goalers font partie de ça. Mais on a une confiance énorme en nos gardiens de but. On l'a dit depuis le début. On a un duo extraordinaire. Je suis même en contact qu'ils soient avec nous autres. Puis c'est des rouages importants de notre structure. Là. Dave, excuse-moi, je t'avais coupé. Moi, j'avais une question peut-être plus au,
au niveau de la Ligue, surtout que ça fait tellement longtemps que tu es là, Bobby, il y a une belle recrudescence cette année au niveau des foules. Toutes les foules ont des plus grosses foules cette année qu'en ont eu l'année dernière. Sauf Sorel, on a un peu un processus de reconstruction cette année, fait que c'était peut-être pas c'est quand même des cycles, même s'ils sont plus courts dans la Ligue nord-américaine qu'ailleurs, mais bref, même à Thetford, on l'a vu, j'ai été surpris quand j'ai fait mes petites recherches de statistiques, on n'avait pas atteint le 2000 personnes officiellement là, dans les assistances l'année dernière, malgré le beau parcours. Cette année, on est déjà dans les 2000 personnes en demi-finale. Ça va juste être plus en finale, bien évidemment. Toi, selon de la manière dont tu vois ça, qu'est-ce que tu penses qui fait que cette saison, il y a une belle recrudescence à ce niveau-là, qu'on dirait que partout dans la Ligue, les fans sont plus dedans, sont plus impliqués, puis Thetford aussi en est un très bel exemple. Bien, le calibre de la game est extraordinaire, là. Tu sais, année après année, ils rentrent des joueurs, ils rentrent des bons joueurs d'hockey. On a parlé de Francis Paré tantôt. T'sais, tu regardes, tu fais le tour de la Ligue à... T'sais, Caron à Laval, puis Boucher à Laval, c'est des bons joueurs d'hockey, là. Je peux pas toutes les... Mais à chaque année, ils rentrent des joueurs d'impact dans cette ligue-là. Ils vont en rentrer encore l'année prochaine. Je veux dire, on fait du hockey par des playoffs présentement, mais on continue à parler à des joueurs. Je veux dire, chez nous aussi, ils vont rentrer des très bons joueurs d'hockey l'année prochaine. Ça arrive vite après, même si vous gagnez. Exact. On a pris l'avance aussi là-dessus. Ouais. Mais, la ligue est bonne. La ligue, elle a sa recette. Les organisations font un bon job. C'est le spectacle. C'est un bon spectacle. Puis, la qualité prix aussi, là. C'est le fun. C'est le fun de venir dans nos arénas. Les organisations font un bon job. T'sais, même au niveau visibilité, vous autres, les boys, vous faites un bon job, là. Et ça a un impact. Les photographes et ceux qui se promènent à travers la ligue, ça a un impact, ce que vous faites. Et on vous remercie, mais on a une raison de le faire. C'est que c'est du viewing de plus, puis ça amène une visibilité qu'on n'a pas à travers présentement les journaux ou quoi que ce soit. Vous avez les gens qui viennent voir les matchs des estrades présentement. Et il y a plein de monde qui sont allés voir souvent les Lions, puis qui regardent les games dans notre ligue, puis ils disent tabarouette, c'est plus le fun. Et c'est comme ça. Fait que le calibre, les organisations, les joueurs qui rentrent année après année. Puis l'autre affaire, on est en 2023 aussi. Là. Et le débordement, il n'est plus là non plus. Tu comprends? Puis ça a un impact, ça aussi. Il y a des choses qui ne peuvent plus arriver parce qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu. Puis ces choses-là se sont faites elles-mêmes, se sont assainies, si on veut. Et tu sais, encore de la toughness, il y a encore de la grit. Les gars jouent hockey de la bonne manière. Fait que tu sais, ce melting pot-là, tout mis ensemble, ça fait que le spectacle est incroyable, puis les gens l'apprécient. J'avais des petites photos à te montrer, Bobby. J'ai fait la même chose tantôt avec Larry. Mais on parlait de tangente. J'ai vu à travers les années, quand même, une chose qui est revenue. Avec la coupe, avec le cigare aussi, l'année dernière, avec le chandail aussi, la plus belle journée de ma vie. Donc, je me demandais... La devise à Bob Bissonnette, ça, hein? C'est son chandail, ça. Puis justement, j'avais vu une photo que tu prenais un cigare avec Bob Bissonnette. Est-ce que c'est par rapport à lui? C'est ça que je me demandais, dans le fond. En fait, t-shirt, c'est lui. Le t-shirt, c'était Bob à chaque jour que tu lui parlais ou quoi que ce soit, puis il disait tout le temps, c'est la plus belle journée de toute ma vie. C'est sa phrase à lui. Là. Il n'y a pas. Il y a un droit d'auteur, lui, là-dessus. Le cigare, non. Tu sais, c'est sûrement. Je pense que le premier championnat que j'ai gagné avec l'extrême à Shawinigan, c'est. On dirait que c'est l'accomplissement de cigare avec la bière, puis tout ça. Je pense que ça a commencé là. Puis la photo avec le cigare avec Bob, il y avait quelque chose aussi, c'est que ça a été pris sur la terrasse au Capitole de Québec lors d'une série contre l'équipe cubaine. Mmh. Fait que je pense que la délégation cubaine nous avait amené des cigares de là-bas, puis on était sur la terrasse après un des matchs. Et on avait travaillé fort justement avant cette série-là pour faire venir l'équipe cubaine. Fait que ça a été un petit peu un petit cool-down sur la terrasse qu'on avait fait ensemble en prenant un petit Havana Club de Cuba, puis un petit cigare cubain, effectivement. OK. Good.
Peut-être en terminant, Bobby, un petit mot d'encouragement là, peut-être aux fans là, qui voudraient venir voir la série. Écoute, Larry est droit d'auteur, celui-là, il l'a dit tantôt. Regarde, je pense que c'est deux villes proches, là, 40-45 minutes. Je pense que les gens des deux organisations vont se promener, des deux villes vont se promener d'une aréna à l'autre. Ça va être le fun. Il faut que ça reste sain. On s'entend. T'sais, il y a des choses que. Ça reste une game d'hockey, là. Ça reste une game d'hockey. On n'est pas dans la politique, dans ci, dans ça, puis il n'y a personne qui va bombarder rien, là. Ça reste une game d'hockey. Ça va être la guerre sur la glace. C'est comme ça. T'sais, Larry, il l'a dit tout à l'heure, j'étais un bon chum avec, là. J'apprécie énormément. C'est un des meilleurs catcheurs de balle donnée que j'ai vu aussi de toute ma vie. Fait que. Certains glaces que vous ne parlez pas pendant les trois prochaines semaines. Ouais, puis c'est normal. C'est normal. C'est comme ça, puis c'est la réalité. Larry, c'est un vrai, là, c'est un guerrier, puis c'est le même. On va se reparler après. C'est pas le hockey qui va changer ça. On est assez grand maintenant pour faire la part des choses. Mais les fans, ils vont être des deux arénas, ça va être le fun, ça va être animé, ça va crier, tout le monde. Écoute, c'est excitant. C'est excitant. Puis je l'ai dit tantôt pour les deux villes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas demander mieux. Puis là, ça arrive là. Puis je veux que tout le monde en profite, puis que le monde soit à l'aréna. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il a parlé de bingo tantôt, mais tu sais, rien à faire, là. Il ne fait même pas si chaud, il pleut. Les Canadiens n'aiment pas des playoffs. Ouais, c'est ça. On est la seule ligue, ouais. Là, au Québec. Le hockey professionnel, toujours ouais. Actif au Québec. Exactement. Puis tu sais, même tantôt, le Média 3, c'est toute la semaine. Ça va achever aussi. Il y a sûrement un club québécois qui va ramasser tout ça. Puis je veux dire, le spectacle qu'il va avoir depuis dans les... Les trois prochaines semaines vont être fantastiques. Fait que venez à l'aréna, encouragez votre club. Puis have fun tout le monde. Yes, sir. Je dirais, achetez-vous bien d'avance ou arrivez oui. tôt. Parce que sinon, ouais. Vous ne rentrerez pas. Je pense que les sites Internet sont là des deux bords. Là. Ouais. Peut-être prendre l'avance puis booker ça via Internet. Ça va éviter des frustrations à l'arrivée de l'aréna. Je pense bien que oui, il va avoir du monde dans les deux places. Puis C'est juste wow, là. Les organisations méritent ça. Ouais. Merci, Bobby, de t'être prêt au jeu. Ça s'est bien passé. Je trouve ça quand même... T'as rien envie à Larry. T'as rien envie. Bien plus de couleurs, Larry. C'est parce que j'avais peur. Quand je t'ai texté, j'ai dit, Larry peut parler longtemps. T'sais, il travaille de 10h à 1h. Là. Il y a du temps en masse dans une journée. Fait que je voulais que tu l'arrêtes à un moment donné. J'ai des obligations, moi, là. Fait que c'est juste ça. Ouais. Good job, Larry. C'est good. Bon, on va te souhaiter bonne chance pour la finale, Bobby, à toi et ton équipe. Merci, boys. Continuez votre bon job. C'est apprécié ce que vous faites. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. Yes. Salut, Bobby. Salut, les gars. Yes. Donc, les deux entraîneurs là, des équipes finalistes, la finale commence... C'est vendredi, 28 avril. Ouais, les hostilités sont lancées. De chaque côté, ça a quand même été relativement correct. Bobby et Larry, ils ont joué ensemble une douzaine d'années. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup de respect des deux côtés, mais c'est le fun de voir qu'il y a de la compétition. Du respect, mais il y a beaucoup de compétition. Même du côté, je vois dans le chat, là, Nicolas Corbeil qui dit l'an passé, c'était facile, Tedford all the time. Cette année, mes deux chums, Bobby et Larry. Donc, je pense que Nicolas a le cœur partagé entre les deux cette année. Ouais. Je vois Mathieu Ricard, le cousin, qui écrit « Maintenant, on peut tout savoir vos prédictions? » Maxime Duquet est dans la salle d'attente. Oui, on va rentrer à l'instant. Pour qu'ils viennent parler avec nous. Maxime, ça va bien? Salut messieurs, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Écoute, on est fébrile ici en Beauce. Ouais, c'est quoi? Parle-nous un peu de ce que tu as vécu dimanche. Comment est-ce que tu as vu ça? Comme analyste, tu as quand même eu la chance d'être proche de l'action. Là. Comment est-ce que tu as vu t'as passé ton après-midi? Écoute, ça a débuté sur des chapeaux de roue pour Laval. Là. Dès la deuxième minute, ils ont marqué. Là, c'était bruyant avec la première mise au jeu soit déposée. Mais quand on a marqué du côté des pétroliers, ça a coulé down pas mal.
Mais bon, le coup de la FM qui rebondit par la suite avec deux buts, donc ça redonne un peu d'énergie. Là, mais non, c'est un très bon match dans l'ensemble là, du côté des deux équipes. Là. Même si le pointage final s'est terminé 6-3 pour Saint-Georges, il faut dire que les Pétroliers sont quand même bien battus tout au long de la série. Il faut leur donner crédit. Là. Puis, là, je me demandais, est-ce que tu avais déjà sorti tes fichiers de prédiction des petits articles là, que tu fais sur la sauce hockey? Tu as quand même eu des bonnes prédictions, je pense, dans l'ensemble. T'avais vois-tu, le match de dimanche, ma prédiction que j'avais faite, c'était 6-4 Saint-Georges. Ça a fini 6-3. Fait que j'étais à un but près là, pour Laval de l'avoir eu. Non, mais tu sais, c'est plaisant, c'est juste pour le fun. Mais non, ils ne sont pas déjà préparés parce que j'essaie de les faire les plus dernières minutes possibles, entre guillemets, pour avoir les alignements les plus précis possibles. Des fois, s'il y a des blessures ou tout ça, je ne veux pas exempter. Si vous avez remarqué, je n'ai pas mis Mathieu Roy dans aucune des simulations du côté du Cool FM parce qu'il n'est pas là. Fait que je vais essayer de mettre quand même les alignements les plus précis. Fait que, non, j'ai fait pas mal, soit la veille ou la journée même, là, pour être sûr d'être le plus accurate possible. Et, on va en parler. Là, Thetford, ceux que je ne jouais pas la semaine dernière, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on les a vu jouer. Saint-Georges, deux gros matchs. Fin de semaine en deux temps, Saint-Georges, ça a moins bien été vendredi. Ils se sont bien repris dimanche. On closé la série. Niveau hockey, c'est quoi ton analyse des forces en présence? Qu'est-ce que, tu sais, bon, on le sait un peu, là, l'attaque de Saint-Georges contre la défensive de Thetford, c'est pas mal ça, mais comment est-ce que tu vois ça, toi, de ton côté? Est-ce que l'attaque de Saint-Georges va pouvoir percer la défensive de Thetford? Écoute, tu sais, tantôt, j'entendais parler justement là, de l'attaque contre la défensive, puis je checkais un petit peu les pointages des matchs précédents, puis quand tu regardes ça, c'est quand même assez incroyable du côté de Thetford, il faut leur donner ça. Là. Dans toutes les séries, ils ont accordé une fois trois buts, puis le reste, c'est tout le temps deux buts et moins à chacune des rencontres en séries éliminatoires. Puis tu sais, tu regardes les gardiens de but présentement du côté de Thetford, les deux, leur moyenne de buts alloués sont en bas de deux. Fait que tu sais, c'est vraiment, vous l'avez vraiment bien résumé, là. C'est vraiment d'un côté de l'attaque. Aussi, 9,44, 9,36. Ben, c'est ça, c'est des grosses statistiques du côté des gardiens. Puis, tu sais, tu regardes du côté du coup, de l'autre côté, je pense les 6 ou 7 premiers marqueurs des séries, c'est des joueurs du coup, l'FM. C'est sûr qu'ils ont joué un petit peu plus de matchs que certaines autres équipes. Mais quand tu regardes ça, tu as quand même, c'est peut-être un bon 5-6 joueurs qui ont un point et plus par match, là, ben supérieur là, à un point 8, par match. Les 8 premiers. Les 8 premiers, c'est du coup l'FM? Ouais. Non, c'est ça. Fait que, c'est là qu'on voit que la profondeur du coup l'FM à l'attaque. Puis, tu sais, ça, on l'a souvent dit dans nos reportages, là, moi puis Jean-Michel, c'est l'arrivée de Francis Paré. Je ne veux pas dire que c'est un demi-dieu qui est arrivé et qui a tout changé cette organisation-là. C'est pas ça le point. Mais son arrivée a tellement fait en sorte que là, on avait vraiment un top 6 vraiment excellent. Puis, en plus, comme Bobby l'a mentionné tantôt, nous, Kevin Cloutier joue maintenant sur le troisième trio. Là, avant, c'était notre premier centre. Là, il est rendu sur le troisième trio. Il réussit quand même à récolter sa part de points. Puis à côté de lui, tu as un Chagnon qui peut déranger les adversaires. Tu as un Rayon aussi. Qui pourrait jouer dans le top 6 pas mal partout aussi également. Non, c'est ça. Puis tu sais, dimanche, Réon m'a donné une bonne mise en échec à Paquette. A donné une bonne mise en échec aussi à notre joueur des Pétroliers. Puis t'sais, c'est pas le plus gros, là, mais c'est un gars qui va à la guerre. Puis du côté du coup de l'FM, c'est des joueurs comme ça, on en a quand même pas mal. T'sais, si tu regardes, là, je pense que le plus gros joueur à l'attaque, le joueur le plus imposant, je pense que c'est Philippe Hudon à 6-1, 200-205. Mm-hmm. Sinon, on n'a pas des gros attaquants du côté du coup de l'FM, mais on va à la guerre, on accepte les mises en échec, puis on réplique quand il faut sans trop déborder, évidemment. Mais on se laisse pas imposer, même si on n'est peut-être pas la plus grosse équipe physiquement là, à l'attaque. Question de se faire languir un peu avec les prédictions de qui va gagner. J'aimerais vous poser la question, les boys. Quand je regarde le portrait des deux équipes, c'est vraiment à se demander qui mérite. Si on avait, les séries se terminaient là, tout de suite, là, demain matin, qui, du coup, la FM, qui de Thetford gagnerait le MVP des séries. Pour vrai, c'est dur. Boy. C'est quoi vos prédictions? Là, si vous... Un de chaque équipe. Là. Un de chaque équipe. Je veux tellement pas d'oublier. Saint-Georges, je pourrais dire l'équipe au complet, mais bon, ouais, si... Thetford avec. Honnêtement, Thetford,
quand on regarde la défensive, c'est sûr qu'on serait porté à aller vers les gardiens, mais les gardiens se partagent le départ. Fait que, c'est un petit peu... c'est ça d'ailleurs, juste vous interrompre 30 secondes, chapeau à Bobby qui implique vraiment ses deux gardiens dans les séries. T'sais, je ne dis pas que le coup d'effet, on fait pas ça comme du monde en mettant juste Auger devant le filet, mais c'est le fun du côté de Tedford que on implique littéralement tout le monde. Là. Les deux gardiens font le travail en plus. Fait que c'est encore plus plaisant pour Bobby. Il y a des options là, sous la main. Mais non, chapeau d'utiliser les deux gardiens. Là. Les deux sont vraiment de calibre aussi. Fait que chapeau là, au coach. Là. Mais je vous laisse poursuivre. Ben, c'est, du côté de Tedford, c'est dur à dire. C'est sûr que ça va dépendre de la finale parce qu'il y a tellement de joueurs comme égal. C'est sûr que... puis je vois dans le chat, je suis un peu d'accord aussi, Lozier pour Tedford. T'sais, Lozier, 10 points en 8 matchs présentement. On le sait, c'est pas juste ce qu'il est capable de mettre sur le tableau, c'est aussi comment il dérange. On l'a vu dans la série contre Jonquière, gros combat contre Kevin Veilleux quand il y avait une mauvaise mise en échec sur Gabriel Lemieux, toujours le premier à sauter dans le tas. En plus de ça, qui produit. Fait que, t'sais, présentement, je dirais, si on avait en donné un là, je dirais Christophe Lozier, mais il y a beaucoup de bons joueurs aussi qui sont positionnés pour peut-être avoir une chance de gagner ce trophée-là. Lalonde connaît des grosses séries, Poudrier, même en défensive, Gabriel Lemieux qui l'a gagné l'année passée. Il y a encore un Francis Wattier qui est un point par match depuis le début des séries. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs joueurs du côté de Laval. Si on regarde du côté de Saint-Georges avec, c'est dur à dire parce que tu sais, les 8 premiers marqueurs depuis le début des séries font partie de Saint-Georges. Mais moi, je dirais Philippe Hudon. Je pense que Philippe Hudon, justement, connaît des très, très grosses séries. C'est sûr que Francis Paré aussi est quand même un A, un B, là, mais je dirais Philippe Hudon parce qu'il a marqué des très gros buts depuis le début des séries. Il est toujours impliqué, est impliqué physiquement. On l'a vu contre très solide aussi parce que contre Sorel, un moment donné, il s'était fait frapper lourdement par Jérémy Malouin. Rester dans le match. On l'a vu dimanche aussi, il y a eu une mauvaise mise en échec. C'était contre Dominic Parker. C'était une bonne mise en échec, mais il est mal tombé. C'était pas c'était une mise en échec légale, mais il est resté dans le match puis il continue quand même. Fait que, tu sais, je pense que pour ces raisons-là, moi, je verrais Philippe Hudon. Mais encore là, il y a beaucoup de bons joueurs chez Cool FM qui seraient positionnés pour peut-être gagner ce trophée-là si jamais c'est le Cool qui remporte le championnat. Donc, mais ça serait mes deux choix pour l'instant. Moi, mon choix du côté... Moi, je pense que Lozier, je serais d'accord là, pour Tedford, là, pour les raisons que tu as mentionnées. Moi, Saint-Georges, j'irais avec Francis Paré parce que, tu sais, oui, il produit des points, mais il y a tellement de jeux qu'il a préparé que ce soit la série contre Sorel, la série contre Laval, qui ne se sont pas concrétisés, mais... C'est incroyable ce qu'il peut faire sur une glace, ce joueur-là. Et ça, c'est à part le fait qu'il est également fiable là, dans sa zone aussi. Fait que moi, ça serait mon choix, mais comme tu as mentionné, Dave, là, Philippe Hudon ne serait pas un mauvais non plus. Là. Il a marqué des gros buts. Même Tiff, là, il a marqué des gros buts aussi du côté de Saint-Georges, surtout contre Laval. Fait que il y a quand même de très bons candidats là, pour le MVP, mais c'est sûr que comme on a mentionné, ça va dépendre de ce qui va se passer aussi dans la série finale. Là. Je pense que c'est plus là qu'on va pouvoir trancher... dans ce dossier-là. Mm-hmm. Moi, si j'avais à mouiller, je dirais peut-être du côté de Tedford. Je pense que les deux, vous avez dit Lozier. J'irais peut-être avec Lozier aussi, ce serait mon choix. Sinon, quand même, Joey Rattel ou un Poudrier, c'est quand même des joueurs qui sont toujours importants pour le Tedford. C'est vrai que si on regarde les statistiques des gardiens, c'est des gardiens de Tedford, on le dessus, mais on se partage le travail. Si on regarde du côté du Cool FM, on a un gardien. Puis si on regarde ses statistiques comparées, je pense que dans l'ensemble des matchs impliquant le Cool FM, il y a eu un petit peu plus de buts, là, que ce soit contre les Éperviers ou les Pétroliers. Mais dans chacune des séries, je dirais quand même que Auger a eu le dessus sur ses adversaires de l'autre côté. Ouais, il a fait des gros arrêts aujourd'hui. Je sais qu'on va remettre souvent le match de 11-4 de vendredi, là, que c'était peut-être pas le meilleur match du coup FM dans l'ensemble. Mais à chaque match, là, il a réussi des gros arrêts. Je ne sais pas si vous avez vu l'arrêt que digne d'un gardien au soccer là, qui a plongé sur le côté pour revenir devant son filet pour arrêter la rondelle. C'est ça qu'on remarque avec Sébastien Auger, moi puis Jean-Michel, quand on regarde les matchs, c'est que
c'est pas un gardien qui va abandonner. Je veux dire, il va être hors position, ben il va tout faire pour essayer de se remettre en position, puis que ce soit 1-0, que ce soit 2-1, que ce soit 6-1 pour l'autre équipe, il abandonne pas au jeu devant le filet, puis ça, c'est une belle qualité pour un gardien de but. Il veut vraiment faire chaque arrêt, puis il va tout faire pour, quitte à faire la split, le grand écart, peu importe, mais il va essayer de la faire l'arrêt. Fait que c'est vraiment un bon combattant devant le filet. Là. Ce serait mon choix pour le coup de fin, mais c'est sûr qu'il reste sur une série. Donc, dans une série que, après moi, ça va peut-être plus axé sur. On va peut-être plus s'étudier de part et d'autre. Ça va peut-être des matchs un petit peu plus à bas pointage. Je vois mal Telford commencer à ouvrir puis que des matchs se finissent 8 à 7. D'après moi, ça va être pas mal des. Des guerres de tranchées, probablement une série physique entre les deux équipes. Ben ça, c'est le point que j'ai hâte de voir dans cette série-là, parce que c'est du côté du Cool FM, contre Laval, on a joué contre une défensive qui, je ne dis pas qu'elle n'était pas robuste, mais tu sais, avec des Philippe Bureau-Blais, avec des Nathan Larose, c'est plus des défenseurs mobiles qui appuient l'attaque et qui amènent de l'offensive. Là, du côté de Thetford, littéralement, n'importe quel défenseur là, dans cette équipe-là peut te faire mal. C'est une défensive qui est différente dans le sens que c'est une défensive qui est plus robuste, peut-être un petit peu moins offensive, mais ils te laisseront pas un pouce là, devant le filet. Là. Tu vas aller te parquer devant le filet, ben tu vas t'attendre à manger quelques coups pour te faire tasser, puis tout ça. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, le Cool FM, c'est pas une équipe qui ont des attaquants imposants. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ils vont être capables de se débrouiller avec une défensive justement robuste qui... être plus talent à jouer un peu. Je pense que tu es rendu à match 6, là, quand ça fait 5 games que tu te fais donner des cross-checks devant le filet, que tu reçois des bonnes mises en échec de Lemieux ou l'Abbé aussi qui est capable d'en distribuer des bonnes, du Moulong aussi. Donc, c'est plus à long terme que j'ai hâte de voir comment le Cool FM va se comporter dans cette série-là, parce que je pense que oui, deux équipes vont avoir des bobos, mais du côté de Saint-Georges, ça va être éreintant comme série. Oui, puis ben, la clé, c'est on l'a dit, la raison pourquoi Thetford donne pas plus que 3 buts par match depuis l'année passée en série, parce qu'il n'y a personne qui serait en gardien. Il n'y a personne pour mettre du trafic. C'est des gardiens tellement bons que c'est sûr qu'ils vont avoir des pourcentages d'arrêt dans les 9-40 s'il n'y a personne pour leur bloquer la vue, pour prendre les retours, pour les déranger. Puis Laval n'a pas réussi à le faire l'année passée. Sorel n'a pas réussi à le faire l'année passée. Rivière-du-Loup n'a pas réussi à le faire l'année passée. Moncam n'a pas réussi à le faire cette année. Jonquière n'a pas réussi à le faire cette année. Là, je viens de passer toutes les équipes de la Ligue. Il en reste juste une, c'est Saint-Georges. C'est cool. Est-ce que Saint-Georges, c'est l'équipe qui va réussir à le faire ou ça va continuer ou Thetford va avoir passé toutes les équipes de la Ligue en 2 ans pour remporter 2 coupes? Mais je pense que la clé est là. Parce que c'est sûr que Saint-Georges sont très rapides. Je pense que le plus grand avantage à leurs attaquants. Ils sont très rapides puis sont très talentueux. Mais les goalers de Thetford sont très bons. Puis je pense pas que si on n'est pas capable d'aller leur déranger le travail ou de les faire déplacer ou de leur rendre le travail le plus difficile possible, moi, je pense pas que Saint-Georges va pouvoir continuer de marquer autant de buts qu'ils l'ont fait depuis le début des séries. C'est un peu ça, je pense, le match-up de la série. Moi, ça va être les attaquants de Thetford de Saint-Georges, moi, est-ce qu'ils vont réussir à déranger le gardien du côté de Thetford ou est-ce que la défensive de tous les joueurs que tu as nommés tout à l'heure vont leur rendre la vie trop difficile qui malheureusement, ils ne seront pas capables. Moi, je pense que personnellement, c'est là que la série va jouer. T'as fini 3-3 entre tes deux équipes en saison? Oui. Mais ça aussi, c'est à l'avantage Saint-Georges. Même l'année dernière, quand Thetford était sur sa run de domination, qui n'avait pas d'allure, Saint-Georges était la seule équipe qui était un peu la bête noire, qui était capable d'arracher des matchs à Thetford ici et là quand ils battaient. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Saint-Georges a quand même eu relativement du succès dans le passé contre la Surantia. Donc, ils sont capables de battre Saint-Georges. Je voudrais juste de voir s'ils seront en mesure de le faire dans un 4-7. Avec une équipe qui a beaucoup d'expérience comme l'Assurantia aussi. On ne se mentira pas qu'ils ont quand même eu des bons parcours là, dans les dernières années, dont l'an dernier, justement. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte, même si ce n'est pas tous les joueurs qui sont de retour cette année des éditions précédentes. Là. Il y a quand même des joueurs qui ont de l'expérience dans cette équipe-là. Si on regarde un peu les duels de cette saison, les deux premiers matchs ont été des victoires pour le Cool FM. Après ça, 3 victoires d'affilée pour l'Assurantia. Du côté du Cool FM, on a gagné la dernière partie... contre l'Assurantia. C'était un match de 4-3 contre le dernier match de la saison.
Est-ce qu'on se doit se fier à la saison régulière ou c'est vraiment on efface l'ardoise et puis on a une nouvelle saison? Ouais, c'est sûr que rendu en finale, je pense qu'il n'y a, a plus vraiment. C'est le fun de faire des pronostics, c'est le fun de parler de statistiques, mais. Ouais, c'est ça. Ben, je vois Jean-Michel aussi qui dit j'aurais eu un alignement complet contre Tedford, mais je pense que Tedford aussi n'a peut-être pas un alignement complet contre le Cool FM cette année. Donc Goulet qui a pratiquement pas joué. Ouais, puis l'abbé qui a manqué. L'abbé, c'est vrai aussi qui a manqué un bout. Là. Quand même de part et d'autre, on a eu des. Wattier non plus. Je ne sais pas si Wattier n'a pas joué plus qu'un match contre Saint-Georges cette saison non plus, Wattier. De mémoire, je ne pense pas de l'avoir vu beaucoup cette année quand il venait jouer. En tout cas, à Saint-Georges, peut-être pas à Tedford qui était là, mais à Saint-Georges, je l'ai peut-être vu une fois à Saint-Georges. Si on regarde les forces en présence, il y a des blessés quand même importants de chaque côté. On a le cas de Mathieu Roy qui est toujours incertain. De l'autre côté, Alexandre Boulet qui va manquer le reste de la saison. Ça, je dois par exemple lever mon chapeau à Marc-Éric Bourque. Que vraiment, pour moi, c'est une de mes révélations là, cette année en série du côté du Cool FM. L'année passée, ça avait été Bruno Carl-Denis qui avait vraiment pris un step. Là. Mais cette année, Marc-Éric Bourque est arrivé là, puis pour vrai, il fait très bien. Défenseur mobile capable de relancer l'attaque, il a amené un petit peu d'offensive également. C'est pas le plus gros encore une fois à la ligne bleue, mais la mobilité ne fait pas de tort là, du côté de la ligne bleue du Cool FM. Donc, tu sais, je ne dis pas que le Cool FM ne s'ennuie pas présentement de Mathieu Roy. C'est sûr qu'on le prendrait demain matin s'il pourrait insérer l'alignement. Ouais. Mais je pense que son absence se fait peut-être moins ressentir que je l'aurais anticipé parce que justement, les défenseurs se sont. Ben, vraiment, le groupe de défenseurs au complet s'est levé. Là. Bruno Cardoni joue encore très bien cette année. Simon Demers qui connaît aussi des bonnes séries là, défensivement. Mais Marc-Éric Bourque a pris le spot que Roy a laissé vacant, ben, jusqu'à maintenant, fait vraiment pas mal à la défensive du Cool FM. Là. Ouais. Le cas de Thomas Belmont aussi, là, qui est blessé. J'ai pas d'update là, dans son cas. Je pense pas qu'il va revenir dans la série à ce que j'ai lu. Ça va être à voir, mais je l'ai dit dans les dernières semaines, mais ouais, Marc-Éric Bouc joue comme un joueur qui est en train de se négocier un poste à temps plein l'an prochain, quelque part dans la ligue. Ben, on va sauter à Saint-Georges avec le Cool FM parce que pour vrai, c'est vraiment une belle révélation cette année. Là. Pourquoi je disais ça aussi, c'est qu'un peu de part et d'autre, là, on a des blessures, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a perdu à cause qu'on a tel joueur qu'on n'a pas dans notre alignement. Puis, des deux côtés, les joueurs, tous les autres joueurs ont compensé autour là, pour compenser. Là. Quand on parle de Marc-Éric Bouc du côté du Cool FM, je trouve que tu sais aussi Bruno Carl-Denis, je trouve que vraiment c'était période des séries également. Du côté de Tedford, on en a parlé un peu avec Bobby, la question a été posée, mais il y a des Christophe Lalonde qui est sorti aussi avec un tour de chapeau à un match là, qu'on peut dire qu'il a quasiment gagné un match à lui seul. Les joueurs ont été beaucoup sollicités. On parle de la défensive de Tedford quand même. Pour avoir en saison, c'est l'équipe là, qui a accordé le moins de buts là, de toutes les équipes de la Ligue. Mais de l'avoir fait aussi avec dans le line-up quasiment des défenseurs différents à chaque partie. C'est d'autant plus remarquable. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, il faut aussi donner crédit aux gardiens de but là, qui ont fait les arrêts quand c'était le temps. Mais j'imagine que du côté de Bobby, on a réussi à mettre en place là, un système qui fonctionne et que peu importe les joueurs que tu mets à la ligne bleue là, pour dans sa rotation, ça fonctionne. Il faut donner crédit à Bobby. Oui, on parle que Serge Forcier, c'était le coach de l'année du côté de Cool FM. Puis, avec raison, je veux dire, il y a plein de joueurs du côté de Saint-Georges qui ont steppé up cette année. Mais tu sais, Bobby, il est là depuis un bout, puis c'est pas pour rien là, qu'il est là depuis un bout, c'est parce que ça fonctionne quand son équipe fonctionne toujours bien. Puis on sait que l'assurantia, / isothermique, / peu importe les noms que vous voulez donner à la formation de Tedford, ben ça, quand c'était lui qui était derrière le banc, Tedford a rarement eu des années de misère, là, si je ne me trompe pas, là, mais ça a quand même tout le temps bien fonctionné là, avec lui derrière le banc. En fait, c'est pas pour rien qu'il est encore là cette année. Puis on le voit encore, si on regarde les statistiques défensivement, c'est hallucinant. Là. Puis, on aurait pu tellement dire que c'est à cause d'Étienne Marcoux l'année passée si ça a fonctionné.
Marcou s'en va du côté de Montcalm. Cadorette fait autant mieux, sinon encore mieux que ce que Marcou fait l'an dernier. Puis en plus, tu as Leclerc qui fait également très bien. Fait que, pour vrai, thumbs up là, à défensive, puis à Bobby, il aurait mis ça en place. Mm. Bon, fait qu'on... On y va pour les équipes à ce temps. On l'a fait assez langué, on y va. Ben, moi, je suis un peu mal placé pour faire une prédiction, on s'entend. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu dises que tu prenais pour la surancière non plus. Là, c'est sûr je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est sûr que, oui, j'espère que le coup d'effet va remporter parce qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de championnat du côté de Saint-Georges. Puis, tu sais, j'avais fait un article justement sur la source du hockey plus tôt durant la saison quand Kevin Cloutier avait battu la marque là, pour le plus grand nombre de buts. Que ça serait la boucle parfaite là, pour lui pour terminer sa carrière s'il pouvait en plus mettre la main sur une coupe à la fin de la saison. On est à 4 matchs du côté du coup FM d'arriver. Je ne sais pas s'il va prendre sa retraite pareil à la fin de la saison, mais je dis juste que ce serait une belle façon là, de mettre la boucle finale. Mais moi, la seule chose que j'espère, c'est une série longue, des matchs serrés, puis des matchs intenses, puis du respect envers tout le monde, entre les partisans, puis, et tout ça, qu'il n'y ait pas trop de dérapage à ce niveau-là. Je pense que présentement, on a une très belle rivalité entre Saint-Georges et Thetford. Ça va être une série incroyable. Je pense que et Larry et Bobby là, l'ont quand même assez bien vanté tantôt. Ça va être une très bonne série. Les deux arénas, le Centre Mario-Gosselin et le Centre Sportif Aquatique, ça va être plein à craquer. Fait qu'on va juste vivre ça, puis ça va être bien plaisant. Regarde, c'est cool, FM Gang. Oui, je vais être heureux. Je ne m'en cacherai pas, mais si l'assurance gang, ben, regarde, félicitations, ils vont l'avoir mérité. Je pense que les deux équipes présentement qui sont en finale méritent leur place. Là. Finalement, qu'est-ce que tu dis, Max? Le gagnant là-dedans, c'est les partisans. En plein ça. C'est bon. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Que... Mais, les partisans, mais je suis sûr que les joueurs présentement sont fébriles aussi. Là, d'avoir cette rivalité-là comme finale. Je veux dire, je pense que tout le monde va avoir du fun. Oui, les partisans en premier, c'est sûr, parce que c'est eux qui assistent au spectacle, mais tu sais, les joueurs vont avoir du fun aussi sur la glace. Peut-être un peu moins sur la glace, mais je veux dire, ils vont être fébriles là, quand ces matchs-là vont arriver. Là. Quand ça va être game day, je pense qu'ils vont, ils vont être pas mal excités aussi. Là. Puis les coachs aussi, tout le monde en fait. Ben, tu sais, si on regarde un peu de chaque côté, tu as mentionné le record de Kevin Cloutier, autant Cloutier, peut-être même Yannick Tiffu se retirer avec un championnat à leur âge vénérable. On peut ajouter aussi coupe depuis combien d'années à Saint-Georges? Ça fait 12 ans, mémoire est bonne. Donc, ce qui est plate du côté de Saint-Georges, c'est que ça fait 12 ans qu'on n'a pas remporté de championnat, mais par la suite, on n'a jamais vraiment passé proche non plus d'en remporter un. Fait que, ça a été des années quand même plus difficiles du côté de Saint-Georges après ce championnat-là. Fait que oui, ça serait le fun qu'on puisse en savourer un enfin. Mais... Les joueurs aussi qui étaient avec les Patriotes, là, le QTR l'année dernière, qui en ont gagné un, on pourrait faire quasiment un back-to-back pour eux aussi. Du côté de l'assurance, on a parlé un peu du record de plus de championnats dans la Ligue là, qui pourrait être battu si l'assurance gagne. Il y a quelques vétérans là, qui sont dans l'équipe également. Bobby les a nommés, là, Alexandre Tremblay qui a fait un retour là, avec l'équipe. Quand même, il y a des joueurs comme lui, Yann Joseph, Gabriel Lemieux là, qui a gagné toutes ces coupes-là depuis le début aussi. Ça serait... Je pense que ça serait probablement peut-être un des tops aussi qui avait gagné plus de championnats dans la Ligue. Donc, il y a des enjeux des deux côtés. Là. Non, c'est ça qui est plaisant par contre. C'est bien que tu le mentionnes aussi, que du côté de l'assurance, on pourrait battre un record également. Fait que c'est peu importe qui gagne, ben, je ne dirais pas que ça va être historique, là, mais je veux dire, ça. Pas loin. Quand tu penses à ça, mais. Saint-Georges, ce ne serait pas historique, mais ça serait juste une délivrance un peu du côté de Saint-Georges de finalement avoir mis la main sur un championnat après 12 ans. Là. Puis du côté de l'assurance, ben, c'est un record là, qu'on est en train d'essayer de battre. Dave, ça se mouiller. Je peux mouiller, mais pour vrai, mes prédictions depuis le début des séries n'ont pas été très bonnes. Fait que, bon, ben, dis l'assurance de bord. Ouais. Ben, je veux dire, j'avais dit Laval. Fait que, ah, ben, OK. Ouais, fait que vous êtes quasiment. Ouais, pour les fans du coup, le fan, c'est quasiment mieux que je dise l'assurance. en passant, c'est des farces dans le chat là, avant que vous me traitez de vendu. Là. C'est des farces. Ouais, mais pour vrai. Honnêtement, c'est dur pour moi,
mon cerveau. C'est dur pour moi de prendre contre la défensive de Thetford de la façon dont ils jouent depuis 2 ans. Comme j'ai dit, ils ont passé à travers tous les clubs de la Ligue, sauf Saint-Georges. Fait qu'est-ce que Saint-Georges va être le club à réussir à trouver l'énigme pour percer cette défensive-là? Ça reste à voir. Mais personnellement, c'est sûr que on dirait que c'est comme... On dirait que c'est quand personne va avoir prouvé de qu'ils sont capables de battre Thetford, ben, je vois comme ma tête me dit d'aller avec Thetford jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui le prouve. Puis est-ce que le Cool FM va l'être? Ben, ça va être ça qui va être le fun, qui va être le fun de voir. Ben, je vais te poser une question autrement d'abord pour essayer de te faire une idée. Tu penses-tu que le Cool a les éléments pour être l'équipe qui va renverser cette tendance-là? C'est dur à dire. Parce que le clash est tellement différent. Parce que je sais que les attaquants du Cool vont. Tu sais, c'est pas en essayant de jouer en allant dans les coins qu'ils vont réussir à battre la défensive de Thetford. Là. Ça va être en jouant un peu comme ils l'ont fait depuis le début des séries, un peu comme Sorel, d'utiliser la vitesse à côté. Fait que je pense que est-ce que la vitesse des attaquants du Cool va être capable de passer le mur de la défensive de Thetford? Tu sais, en série, des fois, c'est un peu plus dur parce que les arbitres en laissent un peu plus passer et tout. Puis, tu sais, quand on regarde, c'est une série complètement différente que Laval et même de Sorel parce qu'au niveau de la défensive, Martin Larivière a dit que tu sais, Sorel est un peu plus robuste niveau dans le jeu là, que Laval. Mais au niveau Thetford, c'est une coche au-dessus. Tout le monde, Thetford, c'est de loin l'équipe la plus robuste de la Ligue. Là, puis, pas une surprise pour personne quand moi je pense que c'est même pas proche, là, comment elles sont plus robustes que tout le monde. Là. Leur top 6 en défensive, je veux dire, sont toutes tough. C'est ça, je faisais le tour tantôt de l'alignement, puis je disais, bon, lui, il faut se méfier de lui, il faut se méfier de lui aussi, de lui aussi, de lui aussi, ça finit plus. Tous les joueurs à la ligne bleue du côté de la situation sont capables de distribuer des bons coups d'épaule, puis d'être aussi un peu rough là, le long des rampes, puis devant le filet. Là. Puis après ça, tu t'en vas à l'attaque. Ouais, Lozier, ouais. Wattier, ouais. Ouais, c'est ça. Tremblay, ouais. Rattel, capable, ouais. Boivin, fatiguant aussi. Ouais, Beauvillier avec, capable de donner des coups d'épaule. Là, c'est comme, ouais, ça finit plus. Fait que, tu sais, c'est comme. Est-ce que. Moi, je pense. Puis, tu sais, je pense s'il y a un club pour le faire, d'après moi, c'est Saint-Georges. Parce que leurs attaquants, je pense qu'ils sont habitués de devoir se défendre jouer avec leur vitesse. C'est ça, se défendre puis jouer avec leur vitesse pour réussir à ne pas se faire frapper, puis pas se faire trop mal, puis être capable de juste étourdir la défensive. Je pense que le Cool FM est l'équipe pour le faire, mais ça reste à voir s'ils vont être capables. Si j'avais vraiment à gager de l'argent, j'irais probablement du côté de Thetford, mais depuis le début des séries, j'ai pas eu raison. Depuis le début des séries, t'as perdu beaucoup d'argent. C'est ça. fait qu'à ce moment-là, c'est parce que je dis ça. Tu peux parler avec Larry aussi pour enrichir un petit peu plus. Ouais, non, là, Larry, il a passé l'argent ce soir. Hein. Mais tu sais, c'est ça, fait que ça vaut ce que ça vaut, ce que mes prédictions, mais je vais prédire ce que j'ai prédit un peu pour tout le reste. On a enfin eu une avec Saint-Georges contre Laval, on s'est rendu en 6 matchs, mais ça serait le fun d'avoir une finale en 7 games. Là. C'est sûr que, on regarde les chiffres de foule, on regarde les chiffres TVLNH, on regarde même le monde au podcast à soir, tout ça, le reach que tout ça, ces réseaux sociaux, plus longtemps que ça va durer, plus ça va être le fun. Là. Fait que c'est sûr qu'en tant que fan, c'est sûr quand on n'a pas de parti pris, c'est sûr qu'on veut une série le plus long possible. Alors, moi aussi, je veux dire, comme Maxime, bon, je prends pour les partisans dans non, cette série. Non, 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 Seb, tu vas te mouiller. On est quand même. Une série en 7. C'est moi qui a trouvé ton argument. Là. Ouais. Je vais l'utiliser, le copyright. Thierry en 7 matchs. C'est juste Dave qui s'est mouillé. Là. Je l'ai prêté, je la reprends. Thierry en 7 matchs, 7 games en overtime. Yes! Let's go. Non, ben, tu sais, c'est parce que c'est du. On peut pas prévoir c'est qui va gagner. Tu regardes, tu sais, c'est la défensive contre l'attaque. Les deux équipes sont capables d'être robustes. C'est probablement les deux équipes qui sont le plus robustes dans la Ligue cette année.
Quand même une surprise. On n'aurait peut-être pas pensé à ça du côté du Cool FM. Bien, c'est du côté du Cool FM, c'est que d'emblée, on n'est pas, tu sais, on n'est pas une équipe hyper robuste, mais on ne se laisse pas imposer. Ouais. Tu sais, je veux dire, je prends l'exemple de Réaume. Tu sais, Réaume, il va tout le temps dans les coins. Il ne va pas tout le temps faire des grosses mises en échec comme qu'il a fait sur Paquette. Mais il est capable, une fois de temps en temps, d'en pousser quelques-uns. T'sais, c'est la même chose aussi. Udon, c'est peut-être lui qui joue plus le style power forward, si on veut. Mm. Mais je veux dire, pour le reste, ce n'est pas des joueurs qui vont être très, très, très physiques. Mais s'ils se font donner un coup d'épaule, ben, ça se peut qu'ils sortent de bord et qu'ils en donnent un à leur tour. Là. C'est rare que c'est le coup de la fin qui va être l'agresseur, mais ils ne se laisseront pas intimider, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Probablement que si une équipe qui est capable de battre Thetford, je pense que c'est le Cool FM à cause de la vitesse, la créativité. Tantôt, on parlait de MVP des séries, là, on disait des noms de joueurs, là, juste avec le but de Bergeron, là, on aurait quasiment pu le nom comme MVP. Mais tu sais, c'est un peu à l'exemple de l'équipe, des joueurs, là, les jeux qu'ils font. T'sais, les matchs là, contre Laval, il y a combien de fois qu'il y a eu une passe sur un gars, à un gars qui est sur le coin du net et qui la met dedans. Mais c'est pas un but là, à la lancer contre que Pierre Lambert il attend à côté du filet. Là. C'est vraiment il y a des drop passes, puis le gars qui fait la passe, là, c'est à travers c'est une saucer par-dessus deux bâtons. Puis, ça va l'autre bord. Tu sais, les gars sont tellement créatifs. Dans un même match contre Laval, ouais. Là, il y a eu deux belles longues sauces là, qui ont été données. Là, des belles passes là, soulevées. Ouais. Passe de Marc-Éric Bourque à Yannick Tiffu. C'en était une. Mais choc, ah non, c'est, puis je pense que c'est Paré aussi un match qui a envoyé carrément de l'autre côté à Tiffu. Puis qui a lui, il t'a one-timé ça dans le but. Fait que, c'est Saint-Georges est très créatif offensivement. Des fois peut-être un peu trop créatif dans le sens que des fois on en fait un petit peu trop là, puis ça nous coûte cher, mais des fois ça peut donner des revirements. Mais c'est un peu le danger quand tu as autant de joueurs talentueux dans une formation. C'est sûr que des fois on essaye des fois là, de faire des passes un peu plus risquées, mais plus souvent qu'autrement ça fonctionne. Donc c'est sûr qu'on battra pas tout ça pour 1000 pour chaque jeu. Là. Ça va être ça, peut-être un petit peu le piège là, du côté du Cool FM, justement, à vouloir trop chercher le jeu parfait. Puis finalement, c'est l'autre équipe qui en profite. Là. Mais ça va être intéressant de voir surtout les gardiens, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce que, honnêtement, là, au jeu, là, je t'en revenais des games de 11-4. Puis t'en reviens comme si rien n'était. Sérieux, là, pour un gardien de but, là. C'est quatre choses, là. Il y a un manque d'acier, là, on ne peut pas dire le contraire. Puis du côté de l'assurance, on parle on a sorti les statistiques de gardien à peu près trois fois dans le show. Hein, c'est un peu. Je ne sais pas si c'est ça qui va faire la différence. C'est un peu. Je disais aussi dans les séries du Cool FM, c'est quand même. Même si Roger n'avait pas les meilleurs chiffres, ça a tout le temps été, d'après moi, le meilleur gardien de la série, est-ce que ça va être encore ça? Si les matchs viennent à être ouverts aussi, là, donc, ça va être intéressant de voir. Puis, je pense que de part et d'autre, on a des choses à accomplir, des records à notre portée, peut-être des gens qui voudraient prendre notre retraite. Je le souhaiterais aux deux équipes. Non, c'est sûr, n'importe quelle équipe qui gagne cette série-là, il va y avoir des belles histoires là, relativement avec ça. Fait que, pour vrai, il n'y a pas vraiment grand monde qui peut. Non, il checkait son sel, il avait quand même des yeux. Il y a des situations qui n'ont pas pu en même temps. Il se met dans le mindset des séries. Donc, on n'a rien d'autre à ajouter, les boys? Moi, j'ai un petit quiz pour finir. Ah ouais? Oh. C'est bon, ça. Quiz. Hey Seb, t'as-tu encore ton quiz de truc vert ou truc rouge là, comme non, pas les pilules, non. Non. Pas de pilules aujourd'hui. Le quiz était difficile dans les dernières semaines. Que là, j'ai fait un peu plus facile, puis j'ai essayé de le faire par rapport à la finale, évidemment. Donc,
Thetford ont gagné 3 fois la Coupe, Saint-Georges 1 fois. Mettons qu'on enlève celui de l'année dernière parce que c'était trop facile. Ça a été qui les MVP des playoffs les années que Thetford et Saint-Georges ont gagné? En fait, celui de l'année dernière, c'était Gabriel Lemieux, selon on l'enlève, c'est trop récent. Mais sinon, ça a été qui les MVP? 2015, Thetford, 2012, Thetford, 2010, Saint-Georges. J'ai de la misère à souvenir ce que j'ai mangé hier, fait que je pourrais pas te répondre à cette question-là. Ceux qui nous écoutent encore. Il y a une année que c'était André Sanzik. C'en est-tu un? Bon, on va laisser les gens répondre un peu. OK, on va voir une réponse. Est-ce qu'on dit les réponses des gens ou on attend pour ça aussi? On va attendre un petit 30 secondes. Mais c'est ça. Fait que les MVP, quand Thetford et Saint-Georges ont gagné, donc 2015, 2012 et 2010. Cool FM en 2010. Donc, il y en a pas mal qui sont sortis. On peut commencer avec les réponses. Alors, 2015, il y en a quelques-uns qui l'ont eu, là. Donc, Gabriel Girard, en 2015, le gardien de but, l'ancien de Cataract de Shawinigan, a gagné la Coupe Memorial là-bas. Il avait été très bon, surtout en finale contre Storet, je me rappelle. Donc, Gabriel Girard. 2012, tu avais raison, Seb, André Sanjic. Sanjic, je sais. Ouais. Je n'ai jamais trop su comment prononcer son nom. Oui, donc, qui avait gagné en 2012 avec l'isothermique. Et puis, en 2010, c'était Busk, évidemment. Pas Sam Busk. Samuel Busk. Ivan Busk, qui était un joueur qui a joué quand même plusieurs saisons dans la Ligue nord-américaine. Un joueur peut-être plus étiqueté d'énergie, mais qui avait connu des séries vraiment incroyables en 2010 pour Saint-Georges. Donc, voilà. Et bien, Gabriel Lemieux... L'année dernière, il va en avoir un nouveau dans 3 semaines, à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines là, à rajouter à cette liste-là. Bon, hâte de voir, ça va être qui. Donc, bravo à tous ceux qui... Il y en a beaucoup qui ont eu les bonnes réponses. Je pense que le premier, je pense, c'est notre ami... Mathieu Ricard, je pense, le premier pour Gabriel Girard. Samuot pour Busk. Mathieu Ricard, le premier. Ben, en fait, non, c'est toi, Seb, le premier qui a sorti Sanjic. Ouais. Ouais. Donc, David Hout, 7 buts en finale pour Busk cette année-là. 7 buts en finale, ça fait impressionnant. Félix avait dit des réponses aussi, il me semble. Ouais, aussi, ouais. Good. Tout le monde est gagnant. Le prochain Tifu, c'était du long, il a dit. Alors, s'il gagne ça, il va falloir qu'il vienne nous montrer son trophée au podcast. Ouais. Yes. Donc, peut-être un petit mot en terminant. Déplacez-vous dans les arénas, là, que ce soit à Saint-Georges ou à Thetford. La route n'est pas trop longue. Vous pouvez le faire, même si vous venez d'une autre équipe là, de Montcalm, Laval, Sorel. Vous pouvez faire la route aussi. Vous êtes des fans de la Ligue nord-américaine, donc pourquoi pas. J'aimerais en profiter aussi là, pour peut-être lancer un petit message là, qu'on reste dans le respect. On a eu 2 invités là, qui étaient vraiment dans le respect là, où que se sont dit des... Ben, se sont dit des compliments les l'un l'autre. Là. On peut le dire quand même. Là. Autant Bobby à Larry que Larry à Bobby. Donc, dans les stands, ça serait le fun aussi dans les estrades là, qu'on garde un peu la même chose. On encourage notre équipe. Puis, lancer des affaires, sa patinoire, la bière. Je pense que le show il est sur la glace, il n'est pas dans les estrades. J'espère que tout le monde pense la même chose. Là. Sinon, il y a peut-être un problème. Il va falloir vous charger davantage s'il y a des choses sur les estrades et qu'on ne le savait pas. Mais bon, pas lancer de bière, pas lancer rien sur la glace.
Amusez-vous, profitez-en. La bière, vous pouvez l'acheter, par exemple. Elle va être encore meilleure si vous gagnez après votre équipe. Et sinon, ben, vous permettre de faire oublier si vous permettre de faire oublier la défaite. Je vais répéter ce que j'ai dit à Bobby. Pour ceux qui veulent aller voir des matchs, que ce soit n'importe où de la Ligue, Thetford, Saint-Georges, achetez vos billets d'avance puis arrivez tôt au match. Sinon, après moi, vous ne rentrerez pas. Parce que les arénas vont être pleins, les deux. Sold out, les seconds. Ouais. Sinon, ben, si vous n'êtes pas capable de vous procurer des billets, ben, on est toujours là avec vous sur Internet avec nnh.tv pour vous accompagner dans ces matchs-là. Déjà très haute en fin de semaine prochaine pour commencer ça. Yes. Là, on a-tu le droit, genre, des tailgates, des affaires comme ça? Comment ça fait beau dans le stationnement, là, tout ça? On a-tu le droit de faire ça? Je ne sais pas du view, mais comment ça va faire? Ça va être dur parce que c'est sur le bord de la rue, puis en arrière, c'est des stationnements, puis c'est pacté, ça va être pacté de char déjà. Fait que je ne sais pas s'il peut y avoir de la place, mais ce serait intéressant comme idée, par exemple, de faire des tailgates avant les matchs. Mmh. Bon, ben, je disais ça pour que vous arriviez d'avance aux parties, pour être sûr d'avoir votre place. Pas être obligé de vous asseoir sur les genoux à masque des Faites-les style NFL aux States. Là, sortez votre barbecue dans votre boîte de pick-up. Puis, Par contre, je demanderais juste de ne pas faire comme les Bills et de vous sacrer dans des tables. Là. Ça, c'est un peu plus nébuleux. Merci. Mafia. Merci à vous autres, les boys. Pour vrai, merci aux fans. Là, je regardais le compte en même temps, en direct. On a eu jusqu'à 212 personnes aujourd'hui là, pendant les entrevues. Beaucoup de gens. On a été nombreux. Je pense que ça reflète un petit peu l'engouement qu'on a cette année dans la Ligue. Les foules, là, on en a parlé un peu en début de show aussi, les foules qui n'ont jamais été aussi hautes que ça depuis... plusieurs années, donc c'est juste positif. On a des bons matchs là, à se mettre sous la dent, une bonne série entre deux équipes à 45 minutes de distance. Donc, en vous souhaitant une bonne finale, mesdames et messieurs, merci à Martin Larivière, merci à Bobby Barry de s'être prêté au jeu ce soir. Merci à vous aussi, Dave, Max, et je me remercie moi-même aussi. Ben oui, t'as le droit. Merci pour l'invitation. Donc, ceci lance la grande finale. Bon match, mesdames et messieurs. Faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.